Bon voilà, après Far Cry 5, on va attaquer Far Cry New Dawn. Donc c'est du coup la suite en fait, on pourrait dire direct de Far Cry 5, même si c'est un standalone, même si c'est très chelou. C'est littéralement la suite étant donné que ça part de la fin canon, la fin où les bombes tombent. Alors, tac, on va foutre ça, bim. Donc déjà, changement complet d'ambiance. Et il n'y a pas de petit son... Ah si, il y a un petit son au menu principal quand même. La nouvelle aube en espagnol, comme on dit chez nous, hein. Palabagla la bamba. Machu Picchu. Allez, let's go, nouvelle partie. Choisir un type de corps. Est-ce que tu veux qu'on parie, mec, que il voulait pas dire choisir un genre ou choisir un sexe parce que ça aurait foutu la merde. Du coup, ils ont dit choisir un type de corps. Mec, j'en suis, mais certain, j'en suis convaincu, quoi. Obligé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une gonzesse comme on avait sur Far Cry 5 ou est-ce qu'on prend un mec pour... parce que écoute, c'est le futur et que maintenant on change de genre, genre tac. Ah bah merde. Prends à droite. Type de corps gras. J'aimerais bien homme. Ouais, on part sur du homme. Sans regard de braise de Pedro au milieu. Le regard de braise de Pedro. Ça va te tuer. Mais arrête, laisse-moi tranquille, je veux le mec, ouais. Les tétés. Ouais, on va partir sur un destructeur. Allez, on part sur un mec. Allez, on part sur un cum. Let's go. Explorateur, coriace ou ultra chaud. Allez mec, file-moi ultra chaud. Ouais. Allez, go. Moi je suis ultra chaud dans la ville. Je m'appelle Carmina Rai. Le jour où je suis née, c'est le jour où le monde s'est effondré. Les survivants ont dû apprendre à reconstruire leur vie sous terre. En surface, il n'y avait rien. Descendre, le froid et la mort. Les gens pensaient que ça n'aurait pas de fin. Mais sans nous, la vie a repris son cours. J'avais déjà 6 ans. C'est un peu facile, je trouve. J'ai vu le soleil. Mais bon, bref. Papa et maman ont eu le cœur brisé par ce qu'ils ont vu. Leur monde avait disparu à jamais, mais... Et les gars, ils arrivent, ils commencent déjà à scier des trucs. Bravo! Nous n'étions pas les seuls à avoir survécu. Et lentement, mais sûrement, notre communauté a grandi. La vie n'a pas été facile, mais pendant un temps... Ouais, 6 ans l'hiver nucléaire, ça va, je trouve, hein, c'est pas énorme, hein. Un nouveau foyer. Une nouvelle vie. Et génial, parce que là, du coup, en 6 ans, ils ont réussi à reconstruire une société avec la technologie et tout. Par contre, dans Fallout 4, ça fait 250 piges, il y a toujours des mecs en slip qui se battent avec des bâtons, quand même, hein. Ah, donc là, la méga forge qui vient foutre la merde. Si, je reconnais ce qu'il y a au fond, là. À leur tête. Les jumelles. Quelqu'un leur avait parlé de notre petit paradis. Oh, la scène, la scène, la scène. On n'avait aucune chance. Ils nous ont pris nos provisions, nos maisons, nos familles. Nous sommes les sœurs jumelles, nés sous le signe des gémeaux. Missa de ça dans le cul. Dans le cul, va-t-il battre des bellos. In Vash we trust. C'est quoi? Avec son capitaine, il longeait la côte ouest pour aider. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Je suis super musical ce soir. Ma mère m'a envoyé leur parler pour les convaincre de nous aider à reprendre notre région. C'était notre dernier espoir. Notre salut. Mais là, tout a viré au cauchemar. Ubisoft présente des assets réutilisés et revendus au prix fort comme si c'était un jeu entier. Far Cry New Dawn Down Syndrome. Ah, j'ai encore foutu plus de bave que... En fait, j'ai fait un genre de petit brouillard de bave. Big Chungus, the standalone. Sympa le même d'il y a 2 mois, WAP. Super, bravo, gars.
C'est la première fois que je te vois en retard sur un mème. C'était des bombes éco plus. L'hiver nucléaire de 6 ans, c'est les bombes marque repère. Oh la vache, ça va tes oreilles? C'est tes oreilles qui t'ont Ah. Ils viennent par ici. Debout, capitaine. Allez, debout. Donc on était dans un train et c'est la merde. C'est ces putains de ravageurs. Ah. Ils vont nous massacrer. Debout, capitaine, debout. Ah, avec des noms comme ça, ça m'étonnerait qu'ils soient forcément méchants. Nom de Dieu, Barnes. Si vous criez comme ça, vous allez les attirer vers nous. Rush, vous êtes en vie? Aidez-moi. Non, non, on n'a pas le temps, il faut qu'on se tire. Barnes, on va pas abandonner le capitaine comme ça. Ça manque de Widowmaker, dit le philosophe. Ils arrivent, et vite. Mais je suis déjà Tracer, mec. Bien groupé. C'est compris? Ah bah, Yadar vient de le dire. Wow, c'est quoi ce couteau de ouf, mec? Des armes, réunir tout le monde. Tiens, prends mon couteau qui a été taillé dans une bite de homard. Passez devant, nous on vous suit. C'est une tumeur dans ton pantalon ou t'es content de me voir? Ok. End of the world line. Don't they know it's the end of the world? But you don't love me anymore. Wow. Est-ce que attends, je veux voir un truc. Est-ce qu'on peut changer la difficulté de manière on peut la changer. Ok, c'est bien. Si jamais ça pue vraiment la merde, je vais peut-être changer de difficulté. Parce qu'apparemment, j'ai foutu ultra chaud. Tout le monde a commencé à se chier dessus sur le chat. Donc, on verra. Attends, je vais baisser un tout petit peu le son. Voilà, comme ça. Ça va être un peu. Mode photo, tiens. On a accès au mode photo déjà? Oh. Oh, il est beau. Oh, il est beau le lavabo. Regarde. Come in for that booty. C'est l'acteur de Mr. Robot, tu trouves? Non, mec, il a pas... Non, non, c'est pas l'acteur de Mr. Robot. De quoi? Rami Malek? Mais non, c'est pas Rami Malek. Waouh, regarde-moi ce Batman, là. Regarde ça. En plus, il y a des petits bouts de caca qui volent juste au-dessus de lui. Regarde-moi ça. Attends. Est-ce que c'est pas stylé, ça? Comment on vire la... Comment on vire le... Interface. Regarde ça. C'est stylé, non? Bref. Let's go. Ah, Freddie Mercury. Quel connard. Alors, on ramasse du solvant, ok. On ramasse plein de trucs de craft. Les plantes sont utilisées pour la fabrication. Merci, ça je sais. Je vais baisser un peu le son, voilà. Don't they know it's the end of the world. Ok, oh, un mec dodo, dis donc. Un mec dodo, dis donc. Oula, c'était raciste. Salut. Ouh. Oh, oh la vache! Dans l'œil, mais ça se fait pas, on fait pas des choses aux gens comme on aime bien. C'est les gens. Ok, impeccable. C'était vénère l'exécution. Et du coup, dans les options, ici et là. Non, dans audio alors. Voilà, mode streamer. Et en gros, là, à ce moment-là du jeu, quand j'ai testé tout à l'heure, il y avait Hey Fatty Boom Boom de The Antwoord qui passait Hey Fatty Boom Boom, hit me with the ching ching. Mais du coup, avec le mode streamer, ça vire ça parce que c'est une musique sous licence. Et ça, c'est plutôt agréable. D'ailleurs, niveau optimisation, c'est le même que Far Cry 5. Pour l'instant, j'ai l'impression, ouais. J'ai exactement les mêmes options que Far Cry 5 et ça a l'air d'aller, donc... Bonsoir. Ah ah. Donc voilà, les gens maintenant, les mecs, ont des barres de vie et on fait des dégâts numériques. Donc c'est assez spécial. Attends, y'a un truc à dire. J'ai des notes sur la mission, je sais qu'on est censé aider les gens, je sais bien, mais est-ce que j'entends se dire sur ces ravageurs? Notre équipe n'a jamais affronté une menace pareille et je vois bien dans le regard des autres qui se disent la même chose. Mais au bout du compte, les habitants de Hope County souffrent, ils ont besoin de notre aide. Thomas Rush pense qu'on peut y arriver et le capitaine est d'accord, alors il faut qu'on y croie, nous aussi. Il faut qu'on y croive. Don't they know? Putain, j'ai ça dans la tête maintenant. It's the end of the world. Y'a pas des guns là, un truc, un lance-roquette? T'as vu? Ouf! Oh la vache, d'accord. J'aime bien les exécutions. Comment elle est habillée là? Elle est sympa, son style il est cool. Oh, oh la vache, ok.
J'aime bien le style des ennemis. Je peux le Batman, lui? Oui. Oui, c'est très long, c'est très long. Tac. Lui, pareil. Je vais m'occuper des autres. On va faire ça à la Stallone. Tac. Dans le nichon. Par contre, c'est médicalement, comment on dit, fidèle de stab quelqu'un sous le bras parce que ça atteint le cœur directement. Et en plus, c'est dégueulasse. Enfin, ça se soigne pas sous le bras, tu vois. Hop. Salut. Voilà. Ah, j'aime bien. Bah, c'est pas lui. Ils sont où, ces cons? Qui c'est qui tire? Bref, faut prendre un gun. Y'a quoi? Mitrailleuse. Ah bah voilà. Ah, fallait pas me demander, hein. Ok, attends, parce que là, ça va être chaud du huc, là. Et bah voilà. Mais putain, mais dites-le direct qu'on a des possibilités. Oh. Oh. Aou. Bah, c'est super. Ok, donc un headshot, quand même, ça fait mal. Je sais pas trop ce que ça fait, le bouclier, mais écoute, on va tester, hein. Écoute, si on peut jouer avec un bouclier tactique, moi, je suis ok, j'aime bien ça. Je suis, comment il s'appelle, le gros, là? Montagne. Ah, par contre, je peux pas... Oh, putain, je peux... Oh, la vache, le bouclier! Mec, tu peux expliquer Captain America, quoi. Hey, Fatty Boom Boom, hit me with the chain. Carlos, et là en montagne. Et puis ça te touche, le ganglion lymphatique, ton système immunitaire décède quand même au cas où tu périclites pas. Putain, mec, t'as eu une rafale de mots très compliqués avec des syllabes. Le lancer de bouclier, je sens que ça va me plaire. Est-ce que ça va niveau son? C'est pas trop fort? Burn, attention Burn. C'est complètement con, quoi. Regarde le tumeur, la couillette, on l'appelle. Il y a 4 mots que je connais pas dans sa phrase. Nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe des grosses gouines. Mi fa sol la mi ré, mi ré fa sol 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 bredo. Waouh, comment t'es trop badass, meuf! Tu prouves vraiment que les femmes peuvent être aussi cruelles que les hommes. Qu'est-ce qu'on a là? Des lapins. Waouh, vous avez même préparé votre petit show, genre les Muppets, quoi. Dis-moi, Mickey, on n'aime pas trop les lapins par chez nous? Eh non, nous, on n'aime pas trop les lapins. Carl, tout doux, Franck. Ils ont anéanti notre belle salade. Quoi? Notre cher papa disait toujours que soit on cause des problèmes, soit on les résout. Et il y a déjà beaucoup trop de problèmes dans le monde. On cherche des gens pour nous aider à les résoudre. Enfin, nos problèmes. Si tu résous les problèmes, alors dans ce cas... C'est compliqué, mais c'est compliqué! Non, flingue! T'auras tout ce qu'il faut. Ouais, mais y a moyen d'avoir une petite... On a même la sécu. Et ouais, faire tourner un petit 1 ou quoi là? Oh bah, super. C'est toujours moi qui prends le cas, ça me saoule. Mais si tu nous causes des problèmes, là, notre père nous a appris quoi faire dans... Y'a moyen de faire tourner un 1 ou quoi là? Vous avez... À deux, vous en avez 4, hein, donc 1 pour 1, c'est tranquille, non? Il a résolu plein de problèmes en son temps. Alors, mes petits lapins... Tu prends le pont. Vous allez... causer des problèmes ou vous allez les résoudre? Je vais te causer tellement de problèmes. On les résout. On a... Parce que je... Déjà, toi, je te déteste. Toi et ta sœur, ça me casse les couilles. Je vous déteste de ouf. Je vais vous causer tellement d'emmerde, quoi. Pas moi, mais... Mais Rush... Rush, il est pété. Ah ouais! Tu sais qu'on aime pas trop les PD dans ton genre par chez nous? Tu vas nous aider à résoudre plein de problèmes. C'est long. Allez vous faire foutre. Oh! Ouah, comment il est trop badass, putain! Je crois que je vais trop m'attacher au personnage. Je l'ai fait tourner les deux, mon gars. Ah ouais? Qui tartine celle de droite, qui tartine celle de gauche? Ah bon, on les voit plus. Qui tartine elle? Franchement, quitte à en tartiner une, je pense que je prendrais plutôt l'autre.
J'aime bien son haut et j'aime beaucoup son pantalon de moto avec les inscriptions Jap. Donc, je repose la question. Je tartine ce que tu veux. Vous allez résoudre tous nos problèmes, monsieur Rush. Salut MTE. Je tartine Pedro. Ah bah là, il s'est déjà fait tartiner, mec. Ah, t'es tout caca. Prends une douche, hein. Prends une douche, sinon... Tu veux que je rince avec du sperme? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un connard! J'arrive pas à m'accrocher aux méchants, mais je veux bien faire de la confiture de vulve. Oh, Spider, c'est dégueulasse. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. C'est qui ça? C'est elle, Carmina? Masato, Masato! Non, c'est pas Carmina Burana, ça. Oh la vache, par contre, c'est super joli! Capitaine de la sécurité. Moi, c'est toi, t'es capitaine de la sécurité, toi? Mon Dieu, je vous ai vu tomber dans l'eau et avec ta gueule de hipster? Je suis sûr que tu connais plein d'artistes féministes. Du 18ème, genre. Je suis sûr que t'as lu toute Simone de Beauvoir. Ou Simone Veil, c'est laquelle? Merde, c'est laquelle qui était féministe? J'oublie tout le temps. Les jumelles. Ouais, elle est vegan, ça c'est clair. Elle s'est évadée de Life is Strange 3. Noël. Ah, Noël, ma mère, il sait toujours quoi faire. Putain, c'est super stylé. L'environnement, oh la vache! L'environnement, il pète des culs, hein. Ah non, c'est super joli. D'accord. Il y avait une vache là, il y avait une meumeu, j'ai vu une meumeu. Non? J'ai du mal à croire ce qui s'est passé. Non! Yes. Ça fait mal, putain! Ça fait mal de vivre sans toi! Elle a pas de Spartan Kick, Garrett Burns, pas de respect pour cette pute. Moi j'en ai un par contre, regarde, t'as vu? Ma mère et moi, on a dû repartir. Regarde comment elle va haut, ma jambe! Pip! C'est impressionnant, hein! On n'était pas les seuls victimes. C'est pas drôle, merde! Maintenant. Il y a des briquettes. Oh, il y a des petites briquettes. Ah non, c'est des petits fangs. Des petits fangs. C'est quoi? Ah, des petits rats. Ah, des petits rats, comment, des rataupes. Wow. Go. Ah, c'est génial. Ah, c'est super. Mon gars, je vais donner des kicks à tout ce que je vois. Pas des kicks, pas la kickette, hein, des kicks, quoi. Par contre, la végétation a l'air bien plus luxuriante que sur le 5. Pavard. On peut monter par là, je suis sur un truc secret. Je crois que je l'ai définitivement vexé. Elle est où? Je crois qu'elle fait la gueule. Oh, oh. Putain, tu m'as fait flipper, espèce de conne. Putain. Ok. It goes. C'est gros poteau là, kick. Y a pas une entrée en bas? Non. Ok. C'est super joli. Slenderman. Et là, casse-toi. Eh, venez les petits forons. Eh, les petits forons. Viens voir. Oh la vache, ils sont super stylés, mon gars. Oh, j'espère qu'il y a un genre de Pokédex. Oh, attends. Chut. Putain, mon cul. J'ai fait 6 points de dégâts. Reviens, j'ai pas fini de te kick. Bon, c'est pas grave, on le verra plus tard. J'espère qu'il y a un genre de Pokédex où tu peux prendre des photos des animaux tout niqués. Par contre, dans le jeu, j'avais un bras bionique, alors qu'en est-il? Il y a un tunnel plus loin qui mène à Hope County. Oh, des petits colibris. Les ravageurs bloquent le passage. Colibris. Il va nous falloir de quoi nous battre. Venez, on avance. J'adore foutre des kicks à tout ce que je vois. Ah, t'as pris toi, non? Oh, ah, voilà, une branche, tout ce qu'il faut, moi. Oh. Ah. Ah, oh, je lui ai créé des polypes sur la gueule, c'est dégueulasse. Elle est où, elle? J'ai un truc à tester. Attrape! Oh putain, la vache, elle a esquivé! Elle est où, ma branche? Elle est là. Attends. Attrape! Est-ce que tu penses que je peux envoyer ma branche pour que ça rebondisse et je la rattrape en l'air? Ah!
Alors attends, il y a peut-être, il s'est passé un truc. Oh merde, il y a des mecs. C'est qui? Toi qui tire? Attends. Putain, il y a un ours aussi. Elle est où ma branche? J'ai connu pire. Ne recommencez pas ça. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai plus de branche, c'est pas grave. Je n'avais pas forcément besoin non plus hein. Je pense que c'était juste pour le délire. L'environnement, il est sublime par contre. Hein. C'est vraiment, vraiment vénère. Je suis fan. J'ai traversé la vieille mine pour aller chercher de l'aide. À l'intérieur, il y a un établi. Je sais pas si ça justifie, si tu veux, le prix du jeu. On est d'accord, c'est clairement une injustice que le jeu soit aussi cher que ça. Hein. Pour un standalone basé uniquement sur de la réutilisation d'assets. Mais le jeu en tout cas il est vraiment superbe. Bah il coûte 70 balles hein. Oh la vache. Oh comment il est pimp le truc. Il niveau combien? 100 000? 3? Y a que 3 niveaux. Bon y a des bruits de ouf. Vas-y ramasse tout là. Donc il va falloir trouver des ressources à la Fallout 4 quoi. Je suis en train de ramasser toute la nature. Je vais être rempli de denrées, mon gars. Je vais être un magasin Jiffy, quoi. Ok, vas-y. Monte là. Monte là, gros cul. Voilà, c'est bon. Voilà. Nous sommes les sœurs jumelles. Nanana, on a niqué des mecs avec un casque de moto. La 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 la, Far Cry. La la la, les réutilisations d'assets. On vend un jeu 60 balles. Alors que c'est fait sur des trucs qu'on a déjà fait avant. Ça nous a rien coûté de le développer. Mais on l'a sorti super tard. Les gens s'en battent les couilles. Alors que Blood Dragon était bien. On a complètement fail notre sortie de Far Cry 5. Ok, bref. Ouvrir. Vous pouvez utiliser ces établis pour fabriquer des armes. D'accord, ok, donc ok. Ouais, grosse. On a besoin de plus de ressources. Il faut qu'on fouille un peu pour trouver ça. Ok, il me faut encore des caisses. Je sais pas comment ça s'appelle. Très bien. Donc il y a clairement du craft, quoi. Je vois. Ok, donne-moi ça. Impeccable. Pourquoi... Putain. Pourquoi mon jeu, il brille? Mon clavier, il brille, là. Et pourquoi il brille en jaune? Je crois pas le délire. Aussi à regarder en hauteur. Parce qu'il tire, regarde. Oh, ta gueule, tiens. Tu casses les couilles. Et là maintenant mon écran il est... Mon clavier il est rose, je comprends pas. Mon clavier brille de mille bleus. Bleu, brille. Et il y a pas d'autres caisses? Ah ça, dun. Hey fatty boom boom, hit me with the ching ching. Ah, je suis juste fait mal. Regardez dans le coin. Ferme ta gueule. Oh là là, par ça contre si elle la ferme pas super vite, ça va vraiment mal se mettre. Avec ça, mon gars, je te fais un trou dans le buffet. Tu fais deux fois deux tours de ton slip. Direction Pékin. 45€ la version standard sur Uplay. Mais c'est tellement, tellement trop, quoi. Blood Dragon, tu vas le streamer un jour, Russian. Mais ouais, mais ce sera un one-off, quoi. Parce que il est pas streamable. Enfin, c'est répétitif, quoi. Quel réalisme. Elle est vraiment casse-couille. Allez, on fabrique un lance-scie. Ok, ben je prends. Oh la vache. Oh la gueule du truc. Il a la même poignée que l'épée de Nero. Lance-scie furtivité. Ah, c'est exactement ce que je pensais aussi. Lance-scie V0 lance des scies. Tiens donc. Elles rebondissent partout sauf sur le sol jusqu'à 3 fois. C'est un lance-scie. Oui, c'est bon. Je pense qu'on a compris. Ok. Merde, c'est un truc qui lance des scies. Ouais, je pense qu'on a pigé. Putain. Ouais, bah t'as qu'à fermer ta gueule. Si jamais tu fermais ta gueule, je pense qu'on serait à un autre niveau de compréhension quand même. Il y a marqué T-Mac sur le côté, c'est un scout. Mettre un pot ninja sur mon lance-scie. Salut les gars. Peux tester un truc? Attends. Est-ce que tu penses que je... Bouge pas, hein, bouge pas. Bouge pas. Voilà. Voilà, chut, voilà. Russian, c'est trop un mal alpha. Bah, j'ai été élevé avec Belmondo, hein, donc la claque aux femmes, si tu veux, c'est de nature. Hein. Et puis, il y a que comme ça que tu te fais écouter, finalement. Hein. La claque de Bébel. C'est quoi, déjà? Il y avait un sketch qu'il nous avait envoyé... Spider, il est où? Ah merde, je l'ai plus. C'est un truc de Mosinor avec Belmondo qui fout une claque la paluche, la tatane de bébé ou la paluche de bébé, ouais, je me souviens plus.
C'est quoi? Bah voilà, pourquoi on se fait chier à crafter un Nancy quand on a un Colt 1911, quoi. Cimer. Rejoignez le tunnel. C'est qui, ça, là-bas? Attends, on va quand même tester le Nancy, on est pour des bêtes. Enfin, si, il y avait... Ah, moi, j'en suis une, en tout cas, je suis au courant. Eh, hey, regarde, j'ai un Nancy, c'est un Nancy, il lance des scies. Ha ha ha! Goofy, humor. Au, 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 au. Nous sommes les sœurs jumelles. On va te niquer ta grosse race. Mifasori, babyloop, bidabidabidari, berry. Mais tiens pas dessus. Ah! Ouais, peut-être que je mange plein la gueule. Je suis pas sûr qu'elle vienne me sauver en plus. Ah bah si. C'est bon, elle est aussi conne qu'elle est gentille. On est à l'aise. D'accord. Le streamer banni Twitch à force de brutaliser une jeune fille dans un Far Cry. Le monde. Mais non, mais faut pas le voir comme ça. Ouais, il y a eu de la nuit de la décapitation, je crois. Je pense qu'on va se foutre en normal, parce que là, je prends très très cher. Le reload du 911, il est peut-être un poil long, mais le Power Stroke, il est cool. Ouais, moi aussi, j'adore les Power Stroke. Ah là là, je les ai vus en concert deux fois, donc gameplay. On peut se foutre en normal, Corias. Là, écoute, impeccable. Voilà. Ça mène où, ça? Ah, mais attends, on peut s'infiltrer, regarde. Ah, pourquoi on s'emmerde? Hop, infiltration. Assure people. Et je me suis fait choper instantanément en passant ce truc. Pas eu de problème, hein. Les mecs, ils m'ont vu au loin. Ah bah, y'a quelqu'un là-bas, non? Oh la vache. Ok. Ah, je vais infiltrer. Ah, trop tard, cabane. C'est un laser, ça, ou c'est une barre Non, c'est bon. Ah! Comment ça, heal? Ah oui, c'est vrai, je suis un mec. Ok, c'est bon. Lui, il est bien. Vous pouvez venir, j'ai un Nancy qui lance des scies. Power Stroke, ouais, le joueur de foot. Ah, il était au Real. Assure people. Voilà, ferme ta gueule. Vas-y, ferme ta bouche. Alors, l'attaque frontale, c'était pas ce qu'il fallait faire, c'est ça que tu vas m'expliquer maintenant? N'importe quoi. Vas-y, prends ta petite pilule, ça prend 8 ans et demi, mais c'est pas grave. Elle est pas un encore là? Ah, j'ai hâte d'avoir une M60 parce que là. Aucun intérêt quoi. Voilà. Oh, waouh! Oh, j'en ai pris une grosse là. Espèce de 6 mail, un lance 6. C'est bon ça. Ouh. D'accord, ils ont fait beaucoup d'efforts sur le lance 6 parce que je pense que c'est un peu l'arme principale. C'est pas moi qui a fait ça. Hein. C'est pas moi. Salut les mecs. Ah bah oui, mais t'es con. C'est trop long, l'exécution est trop lente. Ok. Ok, ça a tué les deux d'un coup. Ok, c'est marrant. Et je pense que le lance-ci, il est un petit peu dirigé par les ennemis aussi. Genre, il y a moyen de le faire bounce de façon assez efficace. C'est pas mal. Ah. Eh, toi, t'es con aussi. J'arrive pas à lui faire de headshot. Putain, c'est pas possible. Une Peugeot 206. Oh, waouh. Bonsoir. J'aime taper les femmes. Moi, je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Eh ben voilà. Regarde. Ah, je vais prendre ça plutôt, un SVD Dragunov plutôt qu'un Lancy, je suis bon moi. Hein. Bip. Qui fait pas beaucoup de dégâts mais. Attends, parce que là ouais je suis acculé en fait. Hop, ta gueule. Qui c'est qui crie là? Y'a des gens qui crient, ça j'aime pas. Ça met une sale ambiance, c'est tout ce que ça fait hein. Pas comme ça qu'on va se faire des potes hein. Loser. Putain, par contre, ça tire mal, c'est dingue. C'est moi qui tire mal ou c'est eux qui ont des têtes très petites? Voilà. Y'en a encore? Salut, toi. Ah, putain, ça fait mal. Hey, t'as un shotgun, toi. File-moi ça. C'est génial. Bon, bah, ils ont tous les armes dès le début, donc c'est cool. Oh là là, par contre, les armes, elles sont rouillées de ouf. On galère à foutre les munitions dedans. C'est marrant ça que les armes soient déjà usées et du coup on galère à les recharger. Il y a un petit côté
petit côté chiant, tiens. Ah bah t'es là, toi. Tu vois, tout va bien. Il reste qui? Que reste-t-il de nos amours, là? Oh, 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 oh. Et bah voilà. Eh, impeccable. Eh, ça s'est passé sans encombre, hein. Personnellement, j'ai rien vu de problème, hein. Problématique. J'ai juste hâte d'avoir des armes un peu plus conséquentes, parce que c'est vrai que là... je peux récupérer mon lance-ci quand même, ou quoi? Parce que... Non. ouais, c'est pas grave. Tant pis, hein. Je pense qu'on va en retrouver un facilement. À mon avis, de toute façon, il y a des vendeurs d'armes, et on a déjà débloqué le lance-ci, donc on sera... on va être pépère, hein. Attends, je vais visiter juste un petit peu. Parce que si le délire du jeu, c'est de choper des ressources et tout, je pense que ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil attentif. Ah non, c'est de la merde. Descends. C'est vraiment une merde. C'est quoi ça? Ok. Oh là là. Je peux prendre ça? Mais si, allez, je peux ça, je peux là. Oh là, mais oui, mais c'est... Casse-toi. Je crois que ça a pété. Non, Luc, c'est n'importe quoi ce que tu dis. J'aime pas les gens qui mentent. Ils ont fait péter la couleur niveau game design, par contre, enfin niveau level design, hein. Ils ont même mis des grandes tentes. Un peu comme Vincent McDoom. Donc là, ils sont en train de nous montrer en fait tous les types d'environnements possibles d'un coup. La montagne, les environnements urbains, les tunnels en sous-exploitation. Quelques heures plus tard, en train de niquer, tu sais. Ok, allez, on y est presque. La tête dans l'oreiller, mon gars. Waouh. Et voilà. La nature est la sauvage et domptée. Oh! Ah, c'est comme je me souviens! On y est. T'as un autre cut super rapide quelques heures un peu plus tard. Ça. Quelques minutes plus tard, tu vois le mec, il est en train de foutre des coups de rein dans la meuf qui a la tête dans le lit, tu sais. Et quelques heures plus tard, la meuf, elle est morte, elle est ouverte en deux. Elle est. Elle ressemble à un bulldog qui aurait bouffé un yaourt, tu sais. Il y a tout qui a repoussé. Ouais, c'est une bombe agricole. C'était une bombe... comment on appelle... Ah, Monsanto. C'était une bombe Monsanto. Oh, Dieu merci. Je me faisais tellement de soucis. Oh, maman. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un village... Vous parlez Kibambé? Les enfants. Wolof? Toi, y'en a mangé manioc? On rigole. Allez, on rigole. Oh. C'est bon, manioc, en plus. Tout un train rempli de gens prêts à nous aider. Mais... Les ravageurs. Les jumelles. Tu t'es fait ravager, poteau. Ils ont balancé 8 bombes sur Hope County, y'a déjà plus rien. Oui, ça m'a fait marrer par contre que... Ils ont lancé quand même la plupart de leurs bombes sur au beau milieu du Montana où y'a rien, quoi. Y'a même pas une vraie ville, enfin, la seule vraie ville c'était le coin où il y a l'église là, il y a 4 maisons. Qu'est-ce que ça peut foutre? D'ailleurs, il y a des maps de simulation de bombes nucléaires qui prédisent à peu près les emplacements possibles où ils feraient péter les trucs, mais il y a que dalle dans le Montana. Il hein. Y a rien dans le Montana, ça sera jamais pété le Montana. Hein. 17 ans pour que tout repousse comme ça. C'est 6 ou 17 ans? J'ai entendu que c'était 6 ans moi. Non? Oh, Kirikou. 17? Mais ils ont dit 6 tout à l'heure. Que l'hiver nucléaire avait duré... Ah, peut-être que l'hiver nucléaire a duré 6 ans, mais qu'ils sont sortis au bout de... Bah après, quoi, en fait. Et que là, ça fait, du coup, 11 ans que la société s'est reconstruite, quoi, non? C'est ça? Et alors? Ça sert à rien de rester là à ruminer le malheur. Écoute, Rush devait nous aider à construire un endroit sûr. Alors, on va le faire. Ah, donc ça va être ça le délire, on va ramener des... Ouais, ok. Ouais, donc c'est pareil que d'habitude, quoi. On va essayer de faire un endroit adapté pour la vie, mon cul sur la commode, quoi. J'ai peur que ce soit pas facile. Je sais. Si une bombe pète dans le Montana, ils se sont dit, bon, il nous en reste une, là-bas. Chef, quoi? On a tout éclaté, maintenant, il nous en reste deux. Sérieusement? Eh, vous allez gérer, les gars. Ah bah, c'est ça qui est les grands pôles d'habitation, en général. C'est tranquille, hein.
Tiens, bah mettez là, là, c'est pérave. Viens, on va faire péter un truc de merde, genre le Pays de Galles. C'est quoi ça? Range. Oh là là! C'est quoi? Les photos? Trouver tous les emplacements des photos de Hope County. C'est quoi cette merde? Oh là là, ok. Oula. Plus que des mots. Oh ok, donc il y a des photos. Très bien. Il est où mon. J'ai pas de stats, un truc comme ça. J'ai que mon journal. I. Ah non, c'est que. Ouais, j'ai que mon journal pour l'instant. Vous pouvez consulter les vieilles photos de Hope County dans votre inventaire. Il est où l'inventaire? Je tousse. Il est où l'inventaire? C'est quoi le délire? Bon, c'est pas grave. Il me faut des boyaux de chèvre. Bonjour. Ah, moi aussi, il me faut des boyaux de chèvre, mais c'est juste par plaisir. C'est quoi, ça? Maintenance. Et maintenance, que vais-je faire de tout ce temps? Ah, d'accord, en fait, ça, c'est le... J'ai de quoi réfléchir. Pihi. Moi aussi, je fais pareil. C'est le statut, en fait, de ce camp-là. J'imagine qu'il va y avoir plein de camps. Il va falloir tous ramener les trucs... Voilà, Fallout, quoi. Voilà. Another settlement needs your help. T'as plusieurs anglais quand tu fais... Quand tu fais la gauche. Ah bon? Bah là, j'ai plusieurs anglais, mais c'est les autres missions, quoi. Pour l'instant, c'est que le journal, hein. Ça vous dérange pas si je vous appelle capitaine? Ouais, c'est plus simple, parce que m'appeler d'un nom, un nom genré, ça aurait foutu la merde, non? Vous avez quoi comme bouquin? Moomoo's Fashion Week. I will... Vous devriez parler à ma mère. Take you to a burger place. Honnêtement, je pensais pas que Carmina... Michou Barbnouch. Ah, j'adore ce bouquin. Michou Barbnouch, ça va être mon Avenger préféré. Ok, c'est quoi? Changer. Ah, on peut personnaliser notre avatar. Yes. Alors, oulo. Attends. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On fait un Ouach, on fait un normal. On fait un Renoir? Alors on va faire un Renoir, non? Oula. Eh, c'est marrant, il a un gros visage. Un Noir? Allez, on fait un Noir. Tac. Hop. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a plus de personnalisation? Non, j'ai l'impression que c'est pareil. Hein. Par contre, on est dans le futur de ouf. Pourquoi on a juste un ciré jaune, quoi? Cimer. Country. Pas un truc un peu street cred là? Ouh. Oh, il vénère lui, trop cool. On dirait Marcus dans mon cul là. Ah, Watch Dogs. Voilà. Deux. Je peux pas foutre un truc. Putain, c'est Undertaker. Tong. Yes, il a ressemblé à n'importe quoi. Hein. C'est. Je suis outré quoi. Coming for that booty! I'm coming. Oh! Oh mec, les moustaches de ouf! Mec! Oh c'est. Mais c'est génial, mec! Mais c'est. Attends, enlève ça, mais oui, enlève-moi ça! Oh mais mec! Est-ce que je. Oh! Je peux limite faire Hulk Hogan! Il y a moyen de. Regarde-le! Regarde-le! Il est sublime! Il est superbe. Attends, il n'y a pas la vraie moustache de Hulk Hogan, là? Si, mais voilà. Oh, quel beau gosse. Oh, j'adore. Je suis fan. I am a real American. Qu'est-ce que je peux foutre? Oh, on va faire un vieux beauf, là. Ah, ça, c'est pas mal. J'aime bien son style. Ah, il a ses barbecue shoes. On est bon. I got my barbecue shoes on. Il y a 3 tenues, mais 800 vœux moustache. Ouais, c'est toutes les couleurs différentes, en fait. Surtout. Bah voilà, confirmé, on est bon, hein. On a notre héros. Le PQ me manque tellement. Le PQ me manque tellement, c'est super. Tu vois, c'est pour ça que t'as envie de jouer à un jeu vidéo, tu vois. Pour te rappeler que l'existence, ça fait rien. Et pour te montrer des trucs qui sont ouf, tu vois. Des trucs de fantasy, genre. Des mecs qui ont plus de PQ. Des gars qui boivent du lait. C'est dingue, quoi. Je peux pas donner de coup de pied dans une chaise, là. Oh. Ah, je vais taper les trucs, moi. On met pas de coup de pied aux poules. Moi, c'est Kim. D'une certaine façon, c'est un peu moi qui commande ici. Ouais, c'est super. On n'a pas l'aide qu'on pensait recevoir. On va devoir se mettre au boulot et se débrouiller nous-mêmes. Non, mais j'ai demandé à passer le dialogue, alors me fous pas un dialogue.
I am a real American. Fight for the life of every man. Ah, il est super. Attends, je vais le voir sauter du balcon. Ici, c'est Prosperity. Si on veut avoir la moindre chance contre les ravageurs, la première chose à faire, c'est de remettre cet endroit sur pied. Mais arrête de me parler. On a plusieurs installations. Attends, ta gueule. Prosperity. Ta gueule pour voir. Vous pourrez fabriquer des armes et des véhicules, cultiver des plantes pour vous soigner, et d'autres choses encore. Putain, mais le redneck black. Bah quoi? Pourquoi les blacks auraient pas le droit d'être redneck, mec? Waouh, la carte tactique. On a besoin d'éthanol pour les améliorer. Votre carte indique les avant-postes des ravageurs, où ils stockent celui qu'ils nous volent. Par contre, pourquoi le son il est si peu fort là? C'est quoi le délire? Moi, je suis les deux sœurs Renoir en face, je me chie dessus. Qui m'étonne. Des gens experts dans leur domaine. Oh, Grace! Elle était en 5, celle-là. Celle-là, on s'en fout. Bean, on s'en fout. Ok. Prosperity s'en trouvera renforcé. Et vous aussi. Mais sans Thomas Rush, on n'ira pas. Thomas bien. Rush! Il a déjà construit d'autres colonies. C'est quoi ça, là? Oh là là. Il a l'air vénère. La map a l'air vénère. C'est la même, hein, mais elle a dû être un peu customisée. Et ça a l'air assez vénère. Alors voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'ils soient racistes. Des gens pour s'occuper des installations. Il y en a plein des Renoirs racistes. D'éthanol pour optimiser ce qu'on sait faire. Si vous pouvez nous aider, nous ferons tout pour en faire de même. On peut arrêter ? Ouais, merci. J'adore. Je peux me casser maintenant ? T'as le cul bordé de couilles ! C'est quoi ça ? D'accord, il faut trouver Thomas Rush, deux experts et trois aménagements. J'ai vraiment cru. Pour qu'on soit au niveau 2. Ok, et eh bah écoute. Garage, coupe terrasse. J'ai failli me... Mec, ça m'a fait du gaz dans la bouche. C'était trop ouf. Petit pipou. Des poules. On peut caresser les poules. Dis-moi qu'on peut caresser les poules. Putain, mais on peut jamais caresser les poules. Le petit vomi en l'air. Oh. Il y a les aurores boréales. Content que t'aies prospérité. Aurora Borealis. In this time of day. Refuge pour animaux dans la vieille église plus loin. Non mais ta gueule. Je veux juste me barrer quoi. J'ai hâte de voir les véhicules aussi qu'on a et tout là. Il y a une cache de ressources rares. Là il y a les guns, labo d'explosifs, infirmerie. Ah oh, c'est pas mal. Ah mais du coup, ah d'accord, faut de l'éthanol. Bon déjà il faut qu'on ramène de l'éthanol pour pour déjà débloquer les guns, parce que moi je veux des guns. Par contre, attends, juste là, c'est 800 mètres. Ah oui, d'accord, c'est loin en fait. Bon, les garages. Ah, j'ai pas de garage en fait. Ah oui, je suis con. Ah si, y a un petit garage là. Non? Il marche pas? Il est pété? Il est pété! Je peux me casser? Voilà. Non, ouais, je peux pas kick les poules, je suis désolé les enfants, hein, mais... Je sais que vous aviez vraiment envie de me voir torturer les animaux, mais là, ça va pas être possible. Ah, voilà, personnage. Et on peut directement le customiser, en plus, si on a envie. Regarde, on peut le foutre. Oh, oh, oh. Il y en a plein, il y a plein de trucs nouveaux, là. Ça, c'est quoi? Officier, très bien, c'est juste un jean. Non, je rigole, les gars. Je déconne, les gars, je vais pas acheter de la vraie thune. Non. Il y a quoi, là? Loup de l'ombre, très bien. Ok. Wow. Il y a des tenues de ouf, mon gars. Licorne tactique. Ils sont au courant, en plus. Wow, mec, il y a des tenues de ouf. Ah ouais, il y a l'air d'avoir des trucs super stylés. Bon, attends, on va choisir un truc un peu vénère, là. Voilà. On va s'habiller en chasseur, mon gars, mais je veux le truc le plus redneck de l'histoire des rednecks, ok? Je pense que déjà, là, on est pas trop mal. Niveau gants, on va prendre des... Ah, ça, c'est bien, ça. Non. Si, ça, là, ouais. Y'a quoi comme truc? C'est quoi, du coup, le haut pour X-Power Colt? J'adore X-Power Colt, mec. Non. C'est... Celui-là? Oh, yes. Ça va, on peut la drop en finissant des missions. J'y ai légit cru. Non, j'allais pas acheter pour de vrai. Les fameuses boutiques dans les jeux Ubisoft, un must. Ah bah, c'est dégueulasse. Hein. T'as vu en plus la facilité avec laquelle tu peux acheter quelque chose. Enfin, genre, c'est immédiat, quoi. Singe de l'espace. Ok, donc déjà, c'est super raciste. Y a un truc, du coup, pour... Ah, les licornes. C'est trop rigolo, les licornes. Oh, ça, c'est trop stylé, par contre. Ça, c'est vraiment trop cool.
Non, ça va être trop bien, ça va être cool. Je pense qu'on va bien se marrer. Arme de poing, je peux changer on the fly. Wow. Ça, c'est stylé. J'ai l'impression que je peux craft... Putain, la vache, la gueule des armes. J'ai l'impression que je peux craft vraiment... Oh, la petite référence. Ah non, c'est un Beretta. Si, AJM. Alex... Alex... le putain, Robocop. AJM, c'est toujours ça. Si tu vois un... C'est un genre de Beretta modifié, en fait, qu'ils ont pris pour Robocop. Si tu vois AJM... comment il s'appelle? Alex... c'est pas Mercer. C'est Alex Jiménez. Non, non, ouais, c'est une référence à Robocop, ça. Scorpion, Magnum 44, Guerilla, très bien. P08, bâchage. Bâchage à l'Assad. Alex Murphy, voilà, c'est ça, Alex Murphy. MP5, ouais, donc ça, c'est tout rouillé. Putain, l'arc, il est cool. Un lance-ci. Je peux prendre le lance-ci direct, du coup? Ah non, c'est juste... on peut juste consulter la liste des armes, en fait. Ok, niveau 2, on a ça. Vector... M133, D2, mange pêché. Pêché! AK47 de fortune, carabine 308, M60 de fortune. Oh la vache, les tendeurs! C'est bien de foutre des tendeurs là, ça va poser aucun problème. RAD 4, fronde. Ok, ça c'est pareil. Oh la vache! Ouais, les trucs sont pas mal, hein. Ouais, MD149, elle est classique. Ouh, D50 bricolage, je vais bien aimer ça. Ah, putain, ils ont foutu un bison, cool. Ok. Wow. Oh la vache. Je regarde un petit peu les skins, hein, les gars. Hein. T'as encore des points Ubisoft, sinon tu peux direct choper la Vector et le canoncier avec leurs points Ubisoft et tu gagnes en faisant des succès, là. Oui, sur le site. J'irai voir si jamais on peut, mais pour l'instant, si on peut avoir les... Oh la vache. C'est quoi, c'est un complètement vénère. Ha ha ha, les licornes, ha ha, hi hi hi. C'est trop wacky. D'accord. Oh. M79, burger de bison, c'est bon ça. Oh, oh la vache. Oh mec, ils l'ont customisé comme ils avaient customisé des MG42, enfin des simili MG42 pour Star Wars, je crois. C'est les trucs de blast, c'est des blasters en fait. Est-ce que toutes les armes de Star Wars de l'Empire, ça a toujours été les armes de la Seconde Guerre mondiale? Et j'ai l'impression qu'elle a été customisée comme dans Star Wars. Il y a des trucs qui sont un peu neufs, genre ça fait un peu le cul. Donc bah écoute, on est bien. Groupe, c'est quoi? Savoir des gonzesses avec nous, mais elle, tu vas te barrer, voilà, merci. Inventaire, est-ce qu'on voit les photos du coup de Hope County? Il me semble que j'en ai du coup. Ah voilà. Ça, c'est le ranch de Joseph Seed. D'accord, c'est ce qu'on est en train de squatter, en fait. Ça, c'est l'aviation. En fait, c'est juste des photos de... Ok. Barrage McKinley, ouais. Ah, c'est juste des vieilles photos, en fait. Y a rien d'intéressant, en fait. Évasion. Ouais, ça, on fera plus tard. Ok. Quoi? Casse-toi. Y'a un lama ou j'ai mal vu? Je vais faire une blague de cul. Ouais, vas-y, Théo. Fais des blagues de cul. Fais toutes les blagues de cul, ce que tu veux, hein. Ici, c'est blague de... Ah, ah, fuck, putain de nature de merde. Oh, vache. C'est bon, je peux pisser. Ok, des composants. I am a real American. Il est mort, je crois, on sait jamais, mec. Prends ça, saloperie de fougère. Est-ce que je m'arrête pour prendre des trucs? Ouais, non, vas-y, fais chier. Wow! T'as une arme, je l'ai blessé, là. Ah, il court moins vite, sort du sang, hein. Tiens, attends, je vais le dépecer, je vais l'enculer après. C'est quoi? Oh, elle est super stylée, mon gars. Peau de cerf. Un petit peu de viande. Miam, miam. Pas le temps, le cul dans le cul! Je vous l'ai déjà fait écouter, ça. Parce qu'en fait, c'est... Allez, go. J'ai oublié de remettre le son. Ah, il est intelligent, Russian. We'll be right back.
Voilà. Ça, c'est une partie de la culture LMF aussi, battre dans le cul. C'est un truc qu'on référence assez souvent. T'es un méchant, toi, non? Bah oui, mais c'est con. Qui c'est qui fait chier? C'est quoi? Tiens, regarde-moi ça, c'était mieux. Je suis pas un salopard! Ma mère, elle dit que je suis un trésor, ok? Alors tu fermes ta gueule! Non, tu sauves pas ton pote, toi, Nick Taras. Donc du coup, maintenant, ils peuvent se faire des ennemis qui sont contre l'armure. Et c'est justifié par le niveau. C'est plus simple pour eux, en fait. Ouh. Ouais, t'es prêt à m'échanger un truc? C'est qui c'est, il était où, les... Il y avait quelqu'un qui a un cadeau, là, non? Bah, je suis con. Alors, c'est lui. Bonsoir. 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 Ah. T'es merdé. C'était peut-être pas le truc. En vrai, j'ai beaucoup trop envie d'y jouer. Comparé à Far Cry 5, ça change pas tellement niveau gameplay, mais l'ambiance est tellement plus cool. Moi, c'est vraiment le côté... C'est vraiment le côté RPG, je pense, qui va me saouler. Mais sinon, c'est vrai que niveau ambiance, c'est génial, hein. Ok, ça va pas changer, on est bien. On est bon, les gars, on est bon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des perks? J'ai pas vu, est-ce qu'il y avait des perks? Ah, tiens, des armes de corps à corps, on a pas regardé non plus. Ok, ça c'est pareil. Par contre, ouais, ils sont vraiment pas... Putain, c'est pas inspiré, niveau armes corps à corps, hein. Ah, vache. Putain, t'es dans un futur avec des lampes. Regarde, t'as des sidecars! Et les mecs, dans les armes au corps à corps, c'est une pelle et une batte, quoi. Pas dans le cul. Il y avait un truc talent? Ah bon? Ah oui. Oh, trop stylé. Grappin, très bien. Chalumeau, parachutiste, canne à pêche. Ah, génial. Enfin, je vais pouvoir faire de la wingsuit. En plus, on a bien vu que j'étais vraiment bon, quoi. Contrairement à Far Cry 5, t'as les élimes directes. Hein. Jumelles tactiques, court-circuit, mécano... C'est quoi? Ah non, ça réduit la surchauffe des mitrailleuses. Putain, mais tu vois, pourquoi... Boxeur professionnel, ouais, enfin, c'est les mêmes, quoi. Exécution en chaîne, bien armé. Porter une troisième arme, ouais. Quatrième arme, ouais, c'est pas ouf, hein. Putain, mais je sais pas, t'es dans un futur comme ça, tu files un bras mécanique à ton mec, et bah tu fais en sorte, par exemple, que ça, là, et bah tu puisses arracher les armes qui sont sur trépied pour les utiliser à la main. Une calibre 50 à la main, qui surchauffe, même qu'à moins de précision. Mais enfin, vas-y, quoi, vas-y à fond, quoi. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont retenus de ouf, là, qu'ils ont essayé de faire... Mais dis donc, attention, faut pas que ça soit trop choquant non plus. Oups. Mais non, quoi. Franchement, vas-y à fond, quoi. Bourrine-moi le cul. C'est qui, ça? Ouais, c'est personne. Attends, il y a un truc là-bas, je sais pas si ça va me plaire, ce que je vais voir. C'est quoi? C'est un mec? C'est un mec super balèze? Bah, je m'en fous, j'ai une M60 moi. Hein. Bon, il tire pas très droit, mais voilà. Et écoute, c'est bon, non? C'est qui ça? Wow, filme-moi ça. J'ai réquisition, là. Merci. Écoutez, capitaine, il y a rien de simple à combattre les ravageurs. Si jamais vous sentez que la situation vous échappe, fabriquez-vous un meilleur équipement et des armes. Mais il y a rien qui m'échappe, je me suis déjà remis en normal, je suis tranquille. Par contre, il avait pas d'armes? Je l'ai buté pour que, en fait. Je sais... Largage de ravitaillement détecté? Putain, c'est Apex? On nous signale que les ravageurs envoient des gens piller les cadavres. Mais c'est des gros trouillards. Ils s'enfuiront au moindre problème. Je vais me sentir 2 minutes, il a déjà une M60 dans les mains. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Écoute, tu fous Russian, un canoncier, une M60, c'est bon, tu conquéris le monde. Hein. Il fallait ça pour Minus et Cortex, hein, au lieu de faire leur connerie, là. C'est Minus et Cortex. Allez, tous ensemble. C'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus, de souris diaboliques, du génie génétique. Quelle canaille, cette petite souris, co bye bye bye. Y'a un mec juste devant moi, bye 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 bye. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Frappe-moi, il a dit. C'est génial. Putain, y a des mecs qui sont comme moi. Con. Merde, j'ai pas lu, peut-être qu'il faut que je lise. En fouillant dans l'église l'autre jour, j'ai trouvé une sorte de crypte sous le bâtiment. Tu parles d'une surprise. L'endroit avait l'air idéal pour y stocker mes affaires, alors j'ai tout déménagé et j'ai donné la clé au nouvel ours que j'ai donc... Merde. Il arrive au courant chaque fois que je sonne la cloche, comme je lui ai appris. Ça marche à tous les coups. Ok. Faut que je sonne la cloche. Quand sonne la heure... Oh putain. Ta gueule.
Peau de Crotal. J'ai toujours trouvé que c'était un nom dégueulasse, Crotal. Frappe-moi, frappe-moi. Oui, c'est ça, hein. Par contre, un peu déçu qu'ils ont pas foutu de dual wield comme dans Far Cry 1. Mais oui, en fait, ils auraient pu, tu vois. Mec, tu fous un perk bras mécanique. Ah, mais c'est Fang, mais ça va être Cheeseburger. Tu fous un perk bras mécanique et tu proposes le dual wield. Tu proposes de d'étrangler des mecs et les garder avec toi pour les lancer au loin. Je sais pas, il y a plein de trucs que tu peux faire. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment été super timides. Ils ont pas voulu trop utiliser de thunes pour faire plusieurs... Enfin, plus de trucs différents. C'est, je trouve ça par contre super décevant là, j'ai l'impression de jouer juste un reskin quoi. Vraiment juste un reskin. Crotal avant je crois que c'était une insulte quand dans Call of Juarez tu tues un mec qui s'appelait le Crotal. Bah c'était bien Call of Juarez, j'aimais bien. Call of Juarez Gunslinger, mon gars je les fumasse. En fait c'est un des seuls jeux de ma vie, Call of Juarez Gunslinger, que dès que je l'ai fini, je l'ai recommencé directement. Genre, j'ai pas laissé les crédits se finir, tu vois. J'ai fait échappe, tac, recommencer. Et j'ai recommencé le jeu directement. Il était vraiment bien. Par contre, donde está la clocha? Où est la cloche en espagnol? Souris diabolique. Bounded Blood. Ouais, Bounded Blood, il est bien. Tape la cloche. Il y avait une cloche, là? La grosse cloche. C'est là? Ah! Cheeseburger! Il est où, Pipou? T'es où, Binou? Ah, il est là-bas, le Binou. Binou! Ah! Je me suis la gueule! Binou! Va voir? C'est pas Binou, ça! Mais t'es pas Binou, toi! Putain, je me suis fait niquer! Et ta gueule! Oh là, laisse-moi tranquille! J'ai essayé la démo de Division 2 et au début ça va et après tu vides un chargeur pour buter les ennemis, ouais. Mais en vrai, tu vois, je me suis mis un tout petit peu à The Division 1, tu vois, pour y recommencer. Et ça me choque plus tellement. En fait, je pense qu'on s'est trop mis dans la tête que c'était un shooter. Et à partir du moment où tu pars du principe que c'est un MMO, en fait, comme n'importe quel autre MMO, et bah ça va vachement mieux. Genre, ça m'a beaucoup moins choqué. Et ouais, mais en fait, ce qui vraiment me fout sur le cul dans The Division, c'est l'environnement. Je trouve qu'il est époustouflant quoi, c'est ouf, la ville vide comme ça, avec des gens qui errent la brume, la neige, enfin moi c'est ça résonne complètement quoi. Ils ont changé les ours, dans un futur incertain, où même les gens sont des ours. Bon alors il vient ou quoi là? Binou! Binou! Il est où ce con d'ours? Ah voilà! Oh non, je veux pas tuer Cheeseburger! J'espère que c'est pas Cheeseburger, sinon je vais péter un plomb. Hein. Il prend beaucoup de balles. Énormément de balles. Ah waouh 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 waouh. Ah waouh, eh dis donc. Tu parles d'une merde. Attends, je vais le niquer, regarde. Haha. Haha, merde. Haha. C'est vraiment une merde. Il prend énormément de balles quand même. Il prend vraiment énormément de balles. Je suis là. Tu reviens? Tu reviens et on n'en parle plus, d'accord? Il est déjà mort, Cheeseburger. Dis pas ça. Vas-y, dis pas ça, là. Non, n'importe quoi, il est pas mort, Cheeseburger. Cheeseburger, il est immortel. Ça va? On est d'accord, je fais pas de dégâts. On est d'accord, lui, il m'en fait. Attends, regarde, je vais le niquer, Je vais le niquer à la Zoro, mec. Ta 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 ta. Merde. Attends, c'est la merde. Il est où? Oh putain, je vois l'ombre. Attends. Zoro. Et hop là. Et on travaille. Et on refait un tour. Ah. Putain, il m'a bait en faisant un bruit rigolo. Hop. Ça, il vient plus vite cette fois-ci. Faut que je recharge. Ok. Recharge, putain, il a changé Zoro. Là, depuis qu'il s'est mis à la M60, tu m'étonnes. Bernardo, il fait la gueule. Hein. Allez, Binou. Je m'arrête pas. Ah, la frappe de pavard. Oh, ok.
Ah oui, d'accord, c'était un niveau 3. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment des niveaux, c'est plus des niveaux de difficulté, ou dans le sens où maintenant, t'as des ennemis qui sont niveau 1, 2 et 3. Donc je pense que quand tu dois avoir des ennemis de ce qu'ils appellent de niveau bas, de niveau moyen, de niveau élevé, quoi. Ça va, ça me dérange moins que si c'était vraiment, vraiment des niveaux, quoi. Ce serait effarant, quoi. Et bah voilà, y a pas une petite arme, là, que je pourrais... Est-ce que je peux... Oh putain, dommage. Je croyais que j'étais en train de désacraliser le truc, mais... J'ai pas de... C'est quoi ce bruit? C'est un chien que j'ai entendu ou c'est la porte qui a... Ah, c'est la porte, putain. Fais chier. Je crois que j'avais entendu un petit kleps. Eh ben écoute, je pense qu'on va prendre le grappin dès le début. Bonne nuit. Bah écoute, bonne nuit, Zobek. Des rangs d'ennemis, ouais, t'augmentes pas de niveau, mais il y a des armes qui doivent niquer le niveau 3 super vite. D'accord, ok, ouais. Les gros engrenages façon vieux jeu, ça me fait trop... Ah ouais, ça clash complètement avec le reste, en fait. Boxeur professionnel, ouais... Ouais, j'ai l'impression que je vais devoir le choper vite, ça. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre les compétences qui vont nous assurer vraiment de pouvoir nous balader tranquillement. Et on verra la suite. J'aurais peut-être dû prendre justement le truc pour... ouais. Je suis ce qu'on appelle un abruti, en fait. Explosif télécommandé, ça je peux toujours pas... D'accord. Bah écoute. On est bon, hein. On se casse. Ouais, désolé, Xouxou, t'as peut-être raison, mais... Alors, du coup, il faut qu'on récupère de l'éthanol. Et c'est, alors, est-ce que l'éthanol se récupère en faisant des quêtes? Est-ce que l'éthanol se récupère en faisant des machins? On sait pas. On ne sait pas. Par contre, j'aimerais bien ça. Voilà. Il faut 150 éthanol. 150 unités d'éthanol. Récompense, un sidecar. Récompense, aucune récompense. D'accord, va niquer ta grosse race. Mission terminée. D'accord, ok. Et bah écoute, on va faire directement la mission où faut sauver Thomas Rush. Enfin, je crois que c'est ça, en tout cas. Qui c'est qui me voit? Oh non, mais un petit pipou. Mais il est mignon, un petit pipou, là. Hop. J'ai pas tué un chien. Comme ça, je suis tranquille. Boing. Mec, ça a marché. Oh non. Oh mec. Oh, j'étais trop déçu. Mec. C'est quoi? Oh putain, j'ai eu peur. Je crois que c'était des grosses poules. C'est quoi, ça? Petit pipou. D'accord. Bonsoir. Je suis con. C'est lui qui a dit, hein. Je peux lui parler à lui ou quoi? Ça va? Ça va? Pourquoi vous êtes tous stressés? Ça va? Eh, ça va? T'es, il ressemble à mon cousin Albin. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a un kleps. Ah, il brille dans la nuit un peu, le kleps. Ok, je peux récupérer sa peau? Oh. C'est toujours... Ils sont vraiment bizarres. Ah, d'accord, ok. Vendre le butin... D'accord, donc Tab, ça vend plus tout maintenant. Contrôle, échanger tout. Pourquoi ils ont changé les touches? Je sais pas. Utiliser de l'éthanol pour acheter des cartes d'info. Nani. D'accord. Ok. Et ça, on s'en fout. Ça, c'est les crédits Far Cry. Oh là là. C'est vénère un peu comment ils poussent les crédits Far Cry dans la gueule. Y'a pas un petit véhicule là que je pourrais prendre? On va voir. Je pense que je vais garder cette M60 pendant un moment. Putain, il brille les trucs, quoi. Oh la vache. On va chasser un petit peu, histoire de se prendre 2-3 pots, tu vois. Je pense que c'est ça aussi un perk qu'il faut prendre rapidement, comme dans le premier. Enfin, non, comme dans Far Cry 5. C'est le truc qui permet de doubler le butin qu'on récupère. Ok, ça c'est bon. Ben voilà. Salut la Terry, t'es pas trop à la bourre, je viens juste de commencer le jeu, j'ai pas fait de quête encore. Donc t'inquiète pas. Ok, voyons voir ce qu'il y a dedans là. C'est des shiny les cerfs blancs, non pas du tout, pour le coup non, c'est les cerfs normaux. Ils sont tous devenus autistes. Ok, donc niveau rouage et tout, je suis tranquille, hein, mais par contre niveau éthanol, c'est pas la joie, mais... T'as quoi comme arme? Ouh! Une petite batte. La pluie s'abat sur mon chemin. J'enfile des bites. Y'a pas de radio? Pas de radio. Bah écoute, tranquille.
Non, remarque, faudrait une station radio et j'imagine que c'est pas trop dans leur intérêt. Le level design est vraiment, vraiment incroyable. Je suis sur le cul depuis tout à l'heure là. Tu m'attrapes ça s'il te plaît? Merci. Impeccable. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir... En fait, j'ai vu dans certaines images de gameplay que ton personnage avait un bras mécanique à un moment. Et j'aimerais bien qu'il puisse exploiter ça, quoi. T'arraches un mortier, tu te le fous sur l'épaule. Let's go, quoi. Mais non, ils sont trop timides. Salut, gars. Oh, bah, yon. Ça manque de nouveautés, c'est dommage. Bah ouais, bah écoute, c'est le problème avec Ubisoft, c'est qu'ils ont jamais vraiment su... ils savaient prendre des risques à un moment, mais à partir d'Assassin's Creed, ils ont arrêté de prendre tous les risques du monde. Et écoute, attends, il y a un petit truc là à vider. Je vais peut-être le libérer l'avant-poste là, non? Ça va peut-être un peu compliqué, mais... Allez, c'est parti les gars. Full infiltration, je veux rien entendre. Hop. C'était mieux en 2011 avec Far Cry 3, c'est certain. Mais bon, c'est pas vraiment des risques qu'ils ont pris avec Far Cry 3 non plus, hein, faut admettre. C'était quoi? C'est moi, c'est Riri. Celui qui t'encule dans le taxi. Alors... Ah, y'a toi là. Je t'avais pas vu. Oh, oh là 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 là. C'est dégueulasse, hein. Salut Usui. Ça me fait rire. Parce que je sais que t'as pas pu mettre Usul parce que c'était déjà pris. Du coup, ça me fait rire de lire Usui. Alors... Je suis où dans le camp là? Je comprends même pas où je suis en fait. Y'a des mecs là-dessus ou quoi? C'est la première fois que je vois Lucienne qui a réussi à s'infiltrer. Mais mec, mais tu sais pas qui je suis, quoi. Oh. Putain, je vais pas les noter en les visant comme ça. Ça casse les couilles à moitié, non? Si, voilà. 1. 2. Et le con, j'ai cliqué. Tu vas... Tu... Je suis tellement conditionné à niquer des culs. C'est dingue quoi! C'est incroyable! Est-ce que c'est une forme d'autisme que j'ai développée ou. Comment ça se passe? Oh, c'est la merde! Je suis caché, t'es vraiment nul! File-moi ça là! Yes! Ah, t'es nul! Oh, oh! Ok, impeccable. Bon, je suis quand même meilleur au shoot, hein, je vais admettre, mais... J'ai lancé un couteau de lancer. Quel abruti. File-moi ça, plutôt, là. Ah, ça va peut-être être mieux, là. Ah là, impeccable. C'était qui, ça? C'est un pote? Ouais, t'as beaucoup de chance. T'as beaucoup de chance. C'est un genre de malédiction qui t'interdit de t'infiltrer. I am a real American. Alors. Voilà, Eternal Sang, d'accord. Ah, j'ai gagné les gants de chevalier, mec. Oh, c'est cool, par contre, si on peut gagner vraiment le truc facilement comme ça. Ah, j'ai gagné le droit de l'acheter. Ah non! Ah non, non! Tu peux les acheter avant de les débloquer, mais en fait, tu peux les débloquer toute seule. D'accord! Ah, c'est pas mal! Bien joué. Ça, c'est pas mal. Mon gars, je vais faire Black Knight. Va bien nous servir. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous gardez l'avant-poste, soit vous le pillez. Si vous le pillez, les ravageurs reviendront avec des renforts plus coriaces. Mais si vous le prenez, ah, vous aurez la main sur encore plus d'éthanol. Ah, c'est pas mal ça!
Donc soit je le pille dès maintenant et les mecs reviennent plus tard avec des mecs plus balèzes mais avec des meilleures ressources encore, soit je le transforme directement en avant-poste. Putain, j'aime beaucoup l'idée. C'est vraiment pas con. Ouais, j'ai vu Spider que t'avais dit ça, mais je pensais pas que c'était vraiment... tu l'as gagné tout court, je pensais que tu gagnais genre la possibilité de l'acheter, quoi. Mais ça, c'est pas mal du tout. On va piller plus, hein. D'accord, et donc en fait, tu peux choisir ça de façon... même sur la map, quoi. Donc tu peux en faire plusieurs. D'accord. Putain, c'est vraiment cool. Bah écoute, go. Ouais, ok. C'est classe, c'est pas mal. L'idée me plaît vraiment beaucoup. Pour une fois que c'est un truc un petit peu... Non, c'est vrai que c'est bien fait. C'est bien bossé. Et du coup, maintenant, en toute logique, je vais pouvoir retourner à ici. Parce que j'ai 150 éthanol. Et j'ai également failli me vomir. Base, est-ce que je peux le faire d'ici, par exemple? Ouais! Yes! Nice! C'est cool! C'est cool! Mais de toute façon, je vais pas le reprendre tout de suite, Xuxu, hein. Je le reprendrai plus tard, c'est juste. C'est juste que je gagne plein de trucs là, je gagne des badges de club mon cul. Mais t'inquiète, un exécuteur! Ah, ça me rend un peu curieux, gars. Je disais tout à l'heure, je veux pas le reprendre tout de suite, mais c'est vrai que maintenant, quand tu dis des mots genre exécuteur, c'est vrai que ça me titille le scrotum, comme on dit. Tu sais, ça chatouille. Ça t'arrive pas des fois, ça? Quand tu vois un truc un petit peu... et que t'as ton scrotum qui fait... Non, y'a que moi? Bon, bah tant pis. C'est quoi, ça, là-bas? Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de chat? Ah non, c'est les mecs qui... Waouh, mais c'est un guet-apens! C'est qui, cet enculé? Viens là. Tu tires mal, t'es vraiment une merde. Tiens, ta gueule. Ah! Alors, c'est peut-être la merde. Il va peut-être falloir utiliser un medikit super vite, plus vite que ça. Il est où? Il est où, Michel? T'as beau foutre de la fumée, ça va pas t'aider, hein. Je te nique ta mère, moi, hein. C'est quoi, tout ça? Nice! Bah, écoute... Impeccable, bon, pour l'instant ils vont tous avoir les mêmes flingues. Hein. Attends, il y a toujours l'espèce de symbole là. C'est quoi le symbole avec le petit. Ça là, c'est quoi? Mais il se TP en plus! Bon, je sais pas. Mais du coup, tu vois, t'es pas obligé de gagner le truc de custo lié à la mission en un seul coup. Du coup, tu peux la faire piller pour potentiellement choper l'objet en la reprenant après. Genre un peu de farming viteuf pour la custo, je trouve ça bien cool pour la rejouabilité. J'ai pas tout compris. Mais je suis d'accord pour dire que le système de pillage de convolution est vraiment bien foutu. Enfin bien foutu, après on verra si c'est vraiment bien foutu par la suite, mais c'est quoi ça? Et Dalton? Ça les gars? Je pars ton arme? Je pars ton arme? Putain, mais c'est les Talmor ou quoi? Vous connaissez le quartier des nuées? Oh, qu'est-ce que je dis? Ok. Ouais, j'ai fait une référence Skyrim. Ouais. Ça pique un peu, mais... Bah, les 300 mètres. Et c'est pas... J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup l'environnement. Hein. C'est... En fait, si Fallout 4 était... Il était allé avec les couilles, ils avaient dit genre, c'est bon, on fait un shooter, plutôt qu'un genre de vieux shooter édulcoré au RPG, enfin... Ils auraient pu avoir ce résultat. C'est quoi? Alors attends, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir wingsuit. J'ai pas de wingsuit. Oh putain, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Faut pas qu'il soit derrière moi, Il est pas derrière moi, il est pas là, j'entends pas de miaou. Il y a pas de miaou. C'est bon. Have you heard of the high elves? En gros, tu peux choper un objet de customisation en prenant une base, une chance sur je sais pas combien. Si t'as pas l'objet de custo direct, piller l'avant-poste, le reprendre. Ah, c'est une chance en fait de le looter! Je croyais que c'était la pièce de customisation, tu l'avais forcément dès que tu lootais l'avant-poste, moi. Tu vas dire que j'ai eu du bol en fait de choper les gants là? De toute façon, je vois pas trop dans quelles circonstances c'est plus avantageux de faire un avant-poste. C'est quoi pour se TP ou est-ce que t'as des ressources journalières avec l'avant-poste? Je sais pas, mais pour l'instant j'ai l'impression que piller et repiller et repiller derrière, c'est bien mieux. T'inquiète pas Zouzout, on va les niquer.
Oh my wow. Ah oui, parce qu'en fait il est niveau 2. Donc je vais devoir te bourriner la gueule. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. Tant pire, hein. C'est qui me tire dessus? Alors par contre, ils ont fait péter le dubstep, poteau. Quelque chose de féroce. Le pillard s'enfuit. Ah, c'est lui le pillard, d'accord. Marchandises. Les pyramides. Je vais vous présenter tous mes strums. Marchandises. Nick Taras, c'est qui ça? C'est un touriste, tranquille. Ouais, ils ont fait péter le dubstep comme si on était encore en 2006, mais écoute, c'est pas grave. Wow! Putain, ils ont un intercepteur! Merde, un peu trop tôt. Ah! Ow! Alors par contre, les deux pains à la suite, est-ce que c'est pas un peu touchy? Marchandise surimi! Tu sais quoi? Attends, ce que je vais faire... elle est où, l'autre pute, là? Viens voir. Elle va peut-être pouvoir être un peu utile pour le début, là, quand je galère un peu. Ah, surtout qu'il y a un niveau 2, là. Mine du poumon noir. Hey, Black Lung. Ouais, petite référence, Red Dead Redemption 2. J'ai toujours pas relancé Red Dead Redemption 2, hein. D'habitude, je fais toujours... en fait, je commence toujours un deuxième playthrough dès que j'ai fini un jeu qui me plaît vraiment. Et là, j'avoue que j'ai fini Red Dead et je me suis barré direct. Il n'y a pas eu de deuxième passage, il n'y a pas eu d'entracte, rien du tout. D'entracte, hein, pas d'entracte. Among the living! Murder! Murder! Ouais, référence. T'as pas fait du multi? J'en ai fait au moment où c'est sorti. Je suis pas retourné depuis, ça m'intéresse vraiment pas, ça me plaît pas. Les activités ne me plaisent pas, enfin vraiment, je suis... Le multi me dit rien du tout, quoi. C'est dingue, hein. Je sais vraiment pas pourquoi, mais... on s'est juste fait kill on sight par des connards, on s'est fait chier, y a pas de poker. Vraiment, le multi me dit rien du tout, quoi. Hey, on a pas l'ennui, je suis là. T'as pas besoin d'une arme, t'as besoin de moi. Est-ce que je dois vous appeler Tony? Ou Dan? C'est quoi ici? Ah, c'est de la merde. Très bien. Très bien. Bonne nuit, Zouzou. Ciao, man. D'ailleurs, il est minuit 01, ça veut dire qu'on est le 22 février et ça veut dire que c'est l'anniversaire de Poons. Alors, si vous êtes sur le chat, dites bon anniversaire à Poons qui fête ses 177 ans. Et oui, c'est la doyenne de l'univers. C'est plus ou moins Thanos. Ok, allez go. Attends, il est ravageur là? C'est quoi le délire hein? On va se faire ravager? Oh, le pli, c'est gentil ça ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. Donc toi, t'as un cougar en fait. Voilà, c'est bien. Merci tout le monde d'avoir sauté à Poons d'anniversaire. Elle va vous remercier aussi. Elle va chanter en fait une chanson. Elle va chanter Ohé Ohé, capitaine abandonné. Rien que pour vous. Et c'est maintenant. Non, elle va chanter... J'ai encore rêvé d'elle. Mais la partie de la gonzesse. Donc ça va faire, moi je vais chanter le mec, ça va faire « J'ai encore rêvé d'elle » et après ça sera pour nous « Je rêve aussi !» Elle n'a rien fait pour ça. J'ai un peu froid. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai mal dormu. Elle est faite pour moi. Regarde-moi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Cassez-vous, putain, y'a un rat. C'est les rats qui sont là pour ça. Yo, 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 je veux ce rat, yes. Je peux pas piller le rat, là. Bop. Bop. J'adore ce truc. C'est Poons qui chante ou c'est toi? Je sais pas faire la différence. Non, c'est Poons, hein. C'est long, c'est long, c'est long. Putain, mais elle est en Kevlar ou quoi? Voilà, c'est bon. Je vais la finir à coup de pied dans la chatte, regarde. Bon, c'est plus rapide.
Par contre, le fait que tu puisses pas les foutre à mort dès qu'ils sont down. Arrêtez de parler, arrêtez de parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ta gueule. Ouais, merci. Le fait que tu peux pas les foutre à mort avec un seul coup de pied, je trouve ça un peu dommage. Même... Peu importe leur vie, tu devrais pouvoir leur les foutre à mort avec un seul coup de pied quand ils sont par terre. Oh mon dieu. C'est pas vrai, je croyais que vous étiez mort. Non, c'est pas ce que vous croyez, j'étais en train de l'adoucir. J'aurais pas dû douter de vous. Vous êtes revenu pour moi. Espèce de pute. Oh, espèce de cinglé. Vous êtes revenu pour moi. Comment il est trop badass, comment je l'aime trop. J'espère que j'aurai une aventure gay avec lui à la fin. J'ai envie de lui lécher la moustache. Par contre, l'aigle qu'il a tatoué sur sa nuque, c'est peut-être un peu trashy, mais c'est plutôt stylé. Toujours attendrir la viande avant de la cuisiner. Oh, j'espère qu'on peut manger des gens. J'aime bien manger des gens. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime, tout en douceur. Ah ouais, il a une petite M60 encore. Mettez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette traduction foireuse? Je me mets si je veux. Est-ce que je peux, par contre, est-ce que je peux monter? Ok, faut vraiment monter dessus quoi, d'accord. D'accord, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est la petite mission de course Ubisoft. Il y en a toujours une. Merde, ils arrivent droit sur nous. Qui ça? Ah là. Waouh! Ça me rappelle Far Cry 4, du coup. Avec une musique de merde. Ah, peut-être que là, t'es censé avoir une musique... Une musique... Attends. Voyons voir. Je vais essayer de voir un truc. Non. D'accord. Parce que je pense que la musique là qu'on entend, c'est un peu la musique de base. Ah non. Ah merde, je me suis gouré. Voilà, je me suis gouré de truc. Ouais, non, je suis con. Ah non, c'est pareil. C'est de la merde en fait. C'est moi, je suis con. Et je pensais qu'il y avait une chanson un peu spéciale, tu vois, et que ça, ce qu'on entendait, c'était un genre de musique de base qu'ils ont fait vite fait sur Mixcraft. En tout cas, l'environnement est vraiment sympa, ouais. Limite, si Far Cry 5 avait été ça, tu vois, il m'aurait encore plus plu, tu vois. Où ça? Commence pas à me mentir, hein. Mais quoi? Où ça, à gauche? Ah, là! Ouais, mais dis-le! Mec, il dit à gauche, c'est vague à gauche, hein. Ça représente relativement la moitié du monde. Ouais, merci. Attention, ça va venir... Ok, Défonce une barricade avec ta moto, y a pas de souci. Bonne nuit, MTE! Oh, la vache! Le stop rush, quoi. Stop rush, ouais, parce que la cigarette, c'est trop nul. Stop rush, ouais, fumer, c'est ridicule. Je l'ai oblitéré, la meuf. Déjà, rien que penser au mode streamer, ça fait plaisir comparé aux autres jeux qui t'enculent et te laissent pas le choix. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont plus trop le choix, maintenant. S'ils ont envie que leur jeu se fasse streamer par des gens qui en vivent, ouais, ils ont pas trop le choix, hein. Bon, par contre, je suis pas trop fan de ces trucs là, moi. J'aimerais bien qu'on arrive vite pour qu'on puisse un peu commencer à faire des trucs sympas. Quand est-ce qu'on arrive, Thomas? Quand est-ce qu'on arrive? J'ai mal au crâne. J'ai envie de faire caca. C'est de l'eau là. Allô, Lola, comme un garçon. J'ai le cœur qui fait boum et les cheveux blonds. Boum 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 boum. Allahu Akbar. C'est long, hein.
Bah déjà c'est long, c'est lent, et y a aucune pression quoi. Je veux dire, j'ai les munitions infinies, ma M60 fait beaucoup de dégâts, les mecs ils m'attaquent en quad. Enfin voilà. T'as qu'à trouver un petit jeu de patience. T'es sérieux? Mais t'as pas besoin de ta jambe pour conduire un sidecar. Oh c'est super stylé. Bah d'accord. Mais tu montes hein, je vais pas me faire chier à te choper, ouais c'est bon. Voilà, ça y est un peu plus vite. Je crois que le jeu m'a entendu en fait, il s'est dit ouais c'est bon, on se fait chier. Ah, c'est un peu plus rapide. Là, ça me plaît. Si les véhicules sont un peu nerveux en plus, ça me plaît, ouais. Tu passeras des vidéos de l'IRL après comme tu voulais le faire. Je l'ai déjà fait hein, au début du stream, Spider. Hein. Mais ce sera pas dans les rediff YouTube. Hihihi. Eh oui. Haha. Vous me verrez pas en train de danser avec Whisky sur le corbeau noir de Ringo. Et Momo qui est déçu. Chè. Chè. Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu. Une nuit, la mine a été attaquée par des gens sortis tout droit de l'âge de pierre. On s'en bat les couilles. Des fusils à pompe, avec des arcs et des flèches. Ils prenaient des balles, mais revenaient à la charge. What? Oh là là. Mais je sais ce que j'ai vu. Pourquoi t'as vu, je suis arrivé, ils ont gueulé. Je suis arrivé, ils étaient tous en train de faire. Ah, ça se trouve, dès que je pars, en fait, ils se mettent à hurler, tu sais. Oh, elle est plus là. Ah. Oh non, Rush, on peut dire qu'ils vous ont pas fait de cadeau. Ça va, je vais bien. D'ici deux jours, ça ils m'ont laissé ma moustache, tout ira bien. Oh, tiens, il me reste des chips. Je vais être Madame Rai. Carmina m'a beaucoup parlé de vous. Votre fille a un sacré caractère. Ah! Mais attends, Kim, c'est la fille de. Du mec avec l'avion dans Far Cry 5, non? Doucement. Vous allez devoir remettre ça en place. Enfin, des rails à mon. Ah, c'est sa femme! Et y a plus que vous? Oui. C'est sa femme, ça! Putain, elle a pris du terre. Que vous vous sentez. Responsable. Les jumelles sont douées pour vous faire perdre espoir. Vous comprenez pourquoi on a besoin. Et Carmina, sa fille. Ah, d'accord. Rien n'est encore perdu, Rush. Donc, sa fille a 17 ans. Hein. C'est ça, c'est ça. 17 ans. On dit 18. Bon, allez, on va dire 18. On dit 18. Il va nous falloir du monde. Des gens qui ont envie d'apprendre. Ouais. Et très vite. On peut passer au jeu, s'il te plaît. Ok, bon, et maintenant, vous êtes prêts? Ouais. On table sur du 18. Va falloir lui craquer la membrane et ensuite on sera sûr. Hein. Ouais. Oh super, tu lui as juste... Ah ouais, non, d'accord, regarde. Comment ça, sale? Eh, écoutez les gars, si au bout d'un moment vous hésitez à craquer de la muqueuse, c'est pas ma faute, hein. Les gars, il va falloir vous y mettre, hein. On va aller se reposer, d'accord? Ah, c'est une bonne idée. Bah voilà! Eh! Ça s'est plutôt bien passé! Bon, maintenant, il est où le truc des flingues? Moi, je veux des guns, moi. 7 quarts maison, d'accord, on a gagné les 7 quarts. C'est cool. Et donc maintenant, on peut fabriquer des armes niveau 2. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Yes. On a transformé de la peau de serre en scotch. Ça me suffit. Alors, on peut construire un tuyau boulonné. Ainsi que ces merdes là. Eh, c'est pas mal du tout. En espérant que tout ça, même si j'espère, mais bon, à mon avis, ce sera pas ça. Mais j'espère que ce qu'on voit là, c'est les trucs qu'on a de base et qu'on en aura plus. Ce serait bien qu'il y ait quand même plus de trucs que ça, tu vois, plus d'armes que ça, mais bon, j'y compte pas trop non plus, quoi. J'ai construit un tuyau. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs guns? Yes, troisième arme, t'as raison, je vais prendre ça du coup. Tac, acheter les points de talent?
Non, mais non. Oh putain, c'est sale quoi. Oh, c'est pas beau, c'est berk. Les mecs, putain. Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah, je peux déjà construire tout ça en fait. Alors peut-être que c'est... Ouais. C'était con en fait de construire le niveau 2, ça sert à rien parce que je peux déjà tout faire. Quoi. C'est pas grave. ouais, non, c'est dégueu, hein. Vraiment c'est dégueulasse. Tac. Ça c'est bon. Est-ce qu'on peut... Non, réassigner, mais est-ce qu'on peut... Tu sais quoi, je vais construire plusieurs trucs, tu sais quoi, regarde, bam. Tac, ça on prend, on va le foutre ça à la place. Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas d'attachement qu'on peut mettre. Ah, il n'y a plus de custo des armes. Ah, c'est dommage. Ah, c'est un peu dommage ça, j'avoue, je suis un peu... à base de rodifié. Et ça, je peux le fabriquer parce que j'ai plus assez de scotch. C'est pas grave, j'irai buter une bestiole ou deux, ça fera du scotch. C'est bizarre, hein, quand même. ils sont bizarres dans le futur, hein. Ok, déjà j'ai un arc à flèche, c'est pas mal. Cartographe. C'est comfy comme coin. Je veux pas faire le mec qui m'aime, mais je sais pas si vous vous souvenez en plus devant là, c'est le manoir. Sid, là. Il y avait une route qui passait là. Ah. Je suis pas souvent là, mais je vous aime fort, plein de bisous. Merci pour le sub, pour le re-sub, Conrad. Et bonjour, Conrad. Medikit de. Bah, d'accord. Et cartographe, qu'est-ce que c'est ces conneries? Carte disponible à l'achat, adhésif et composants. Donc tu peux acheter... D'accord. Donc tu peux acheter les cartes qui te montrent sur le terrain où sont du coup les composants dont tu as besoin. Pas mal, c'est pas mal. Par contre ça coûte de l'éthanol quoi, donc et t'as intérêt à rouler sur l'or assez vite parce que sinon tu vas en chier les bulles. C'est ce que je pensais tout à l'heure, t'as plus de custo, tout est déjà dessus. Ah, ça c'est dommage par contre. Pour un mec qui aime beaucoup la customisation comme moi, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais bon, écoute, soyons magnanimes. Même si c'est un peu charmé pour un jeu à 45 balles, mais écoute, tant pire. Mais on va devoir travailler. Ok, deux experts à sauver. Par contre, toi, si tu m'intéresses moyen, donc vas-y, parle-moi. Chaque colonie construite à l'ouest, j'ai toujours fait en sorte d'amener des personnes à la hauteur de la mission. Parce que c'est avec des spécialistes qu'on pourra espérer franchir un cap. Ouais, ok, récupérer des spécialistes, quoi, bref. Sans ça, on n'avancera jamais. Après, la custo du 5 était pas ouf. Ouais, mais bon, rajouter un silencieux, un chargeur, une lunette, c'était marrant quand même, non? Je sais pas. Enfin, moi, je trouvais ça sympa comme tout, quoi, donc je sais pas. Ah, la bisette à tous, c'est bon anniversaire à Choupi Poons. Merci Nick Nick pour le resub. Merci man. Il a fondé notre groupe de renseignement. Il est gentil, mais il faut toujours être derrière lui. Aux dernières nouvelles, on lui aurait piqué des documents importants. Si tu les retrouves, il trouvera sûrement un moyen de te dédommager. D'accord. Bah, c'est super. Donc, Bean, faut sauver des spécialistes et améliorer les aménagements. D'accord, ok. Très bien. Ça c'est quoi? Quand l'entraînement, qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais non, la santé et les dégâts des mercenaires, d'accord. T'as de la chance que je puisse pas te mettre un putain de backwards kick dans la gueule. C'est quoi? Expédition. Ah ok, donc ça c'est la FOB, c'est ça? Permettre déplacement de rapide vers Prosperity. Ok, les expéditions. J'imagine que tu peux balancer des gens, enfin faire en sorte que des gens aillent récupérer des ressources. Ça, c'est pour fabriquer des explosifs. Ça, c'est un petit jardin. Ok. Très bien. Et du coup, j'ai accès au garage ou pas? Parce que... Mais j'ai accès au garage quand même. Qu'est-ce que j'ai pour l'instant? Qu'est-ce qu'il y a comme véhicule, tiens? La 206, très bien. Donc ça va être des reskins de véhicules qui existaient déjà, quoi. Oh, c'est stylé, ça. Ok, niveau 2, t'as les buggy. Oh là là, c'est bizarre ça. C'est un blueprint. C'est chelou. Ah oui, c'est un truc spécial, c'est un truc... Ok, mec, s'il n'y a pas une interceptor. Non, tu peux pas me dire qu'ils ont fait un jeu... Ok, Blood Dragon, mais... Tu peux pas me dire qu'ils ont fait un jeu sans transam interceptor, c'est pas possible. Oh putain, je vais être salé là. C'est tout... Oh... Ils auraient pu, tu vois, ils auraient pu, mais ils ont pas voulu, quoi.
Est-ce que je peux partir avec par contre? Qu'est-ce que c'est ce délire là? Comment on fait pour se barrer avec un véhicule? Ah, qui est quand même bien fait, hein. Ouais, ok, donc... j'aime bien le principe d'avoir tout le temps des reminders sur ce que tu peux faire. Mais putain, mais oui, mais c'est tellement dommage, c'est tellement une opportunité gâchée, quoi. Une putain d'intercepteur. Comment est-ce qu'on se barre avec un véhicule, par contre? J'ai un véhicule, je veux mon véhicule. Ah, par contre, la cinématique, à chaque fois qu'on va rentrer dans le camp, ça va me casser les couilles. Ça, par contre, je sais. Je sais que ça va me casser les couilles. Ah, faut la crafter! Je croyais que j'avais gagné, moi. Regarde ça, tu faut les craft, mais ça. En stock. Rendez-vous dans un garage hors de Prosperity pour faire apparaître ce véhicule. Pourquoi? Bah non, je le veux là. M'emmerde pas. File-le-moi maintenant. Connard. Pièce essentielle de n'importe quel cosplayer fan de Waterworld et de Kevin Costner. Tu vas me dire qu'ils ont fait une référence à Waterworld de Kevin Costner, mais pas à la Transam Interceptor de Mad Max? Mais mec! Mais c'est exactement le jet ski d'un smoker de Waterworld! Mais je vais halluciner! Oh la vache! Mais j'ai regardé les autres niveaux, roi du Bayou, je les ai regardés! Y'a rien! C'est que des 4x4 de merde! Y'a un gros camion! Ah, au pire, c'est le camion à la fin de Mad Max, mais c'est de la merde! Y'a pas! Ouais, je vais faire. Évidemment, je vais faire un thread! Ah, ça! Ah, ça, ils vont m'entendre! Y'a assez de place sur la grille pour y attacher quelqu'un. Oui, c'est une référence à Mad Max aussi! Voilà, un ornement de capot pour l'instant et un donneur d'organes ensuite. Voilà, c'est les bloodbags de Mad Max Fury Road. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Putain. Alors là, mon gars, ils vont m'entendre. Ah, ça va chier, là. Alors ça... regarde. Mais... Au lieu de handling... La direction d'un véhicule en anglais, ça se dit handling. Mais au lieu de dire agilité ou direction, ils ont mis poignée. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont foutu ça dans Google Translate et que du coup ça... Vas-y, fabrique là. Vas-y, fabrique là. Va niquer ta grosse mère, la pute là. Ah! Putain, ça me m'enrage de voir des mecs qui sont aussi flemmards quoi. Il y a un garage là pour... Vas-y. Mission principale là, ça c'est le du coup le camp qu'on a eu tout à l'heure. Mine du poumon noir, c'est là où on était machin. Donc bah écoute, on va récupérer Bean. Hein. C'est quoi Célène? C'est Bjork? C'est quoi cette chanteuse New Wave? Deux threads. Ah ouais, là c'est bon, c'est parti là. De toute façon, je vous le cache pas, hein, ce stream va servir de thread. Ah mais il est là le garage! Putain. C'est bon, j'arrête de crier. Promis, j'arrête de crier, allez. Allez, berline renforcée, c'est parti là. Elle est où? Elle est là. Et du coup, comment ça se passe? Parce que j'ai vu en stock tout à l'heure. Si je veux en faire... Non, ouais, non, c'est en stock, d'accord, ok. J'espère qu'il n'y a pas de truc genre attendez 15 minutes pour faire repop un véhicule ou utiliser les crédits Far Cry pour en faire pop tout de suite. Hein. S'ils font ça, franchement, je vais péter un plomb. Putain, y a même pas de cucaracha, quoi. C'est lent. Elle est très lente cette bagnole. Sans la radio, c'est un peu la mort. Je dois admettre. J'ai buté le gars qu'on avait chopé dans le train. Merde, on avait de grands projets pour lui. C'est sûrement. J'ai buté, ouais, c'est bon. On va récupérer ça. Défi terminé, saison du CR. Et c'est parti pour les milliers de défis. Ça, qu'on soit d'accord, je les ferai jamais hein, tous en entier. Je ferai juste ces défis au fur et à mesure que je ferai les trucs. Attends, je vais prendre le quad, il est mieux le quad. Et j'ai combien de perks? Talent? J'ai un seul point de perk, ah ouais. Exécution avancée, appuyez sur F pour exécuter les ennemis de niveau 2. Ah, c'est niveau... D'accord, c'est 7. Je crois que c'était 1, je me suis gouré, j'ai mal lu. Allez, Carmina, monte. Allez, Carmina, monte derrière moi et...
Accroche-toi où tu veux, mais fais gaffe, j'ai des réactions faciles. Salut, loser. Salut, Carmina. C'est un petit bisou. C'était dans Forza Horizon 4, là, le klaxon Halo et Killer Instinct, c'était génialement ouf. Bah ouais. Eh, c'est pareil, tu vois, ils pourraient se permettre de faire des trucs de ouf, tu vois. Rajouter des klaxons custom, mais non. Parce que ça demanderait un peu de créativité et de... Mais c'est bizarre, le jeu, autrement, j'ai l'impression qu'il est créatif, quoi. Enfin, c'est qu'une impression, et... Après, tout est du reskin, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu décevant, j'avoue, mais... Here you go. Alors, Bean, ça va? Es-tu Bean, Mister de son prénom? Merci, j'ai besoin de quelqu'un de rapide, j'ai plus de genoux, de quoi? C'est Bean, le créateur de Wikibinia. Quoi? Vous savez, la source ultime pour tout ce qui est cartes et infos. Wikibinia, la nympho des infos. Alors j'ai un problème. Wikibinia est en danger. Là non. Je suis désolé mais non. Non, je veux pas couper, c'est pour déconner hein. mais non. Vous pouvez suivre mon ex-employé jusqu'à... Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va suivre ton cul là et tu vas fermer ta gueule. J'adore. Mettre des pains à des trucs, ça me plaît vraiment. Elle est bien ta petite baraque là. Putain, il est chill de ouf ici là. Ah, de l'adhésif. C'est bien ça. Dans Far Cry 4, je galérais pour trouver de l'adhésif pour faire des trucs. C'était relou. Ça et des vis. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont un peu crafté dans le jeu. Largage de ravitaillement détecté. C'est quoi en fait? C'est comme dans les Battle Royale où il y a les... Enfin, les Battle Royaux. Je sais pas comment on dit. Il y a des... Ah, c'est littéralement ça! Il y a des ravitaillements qui arrivent de temps en temps. Ils vont en lâcher un, hein? Lâche. Ah bah ouais. Oh, c'est marrant ça, tiens, on va aller voir. Bonne nuit les copains. Oh, c'est mignon, Dwelly, bisous. Moi aussi je t'aime comme un biscuit. Et ça c'est quoi, enfin? Des groupes aux quatre coins du pays et de temps en temps ils s'envoient du ravitaillement pour s'entraider. Si vous apercevez un avion, c'est forcément eux. Vous aurez intérêt à courir pour prendre le colis en premier et vous devrez sûrement vous battre. Ah. Ouais, mais ça fallait peut-être le dire avant, non? Allez, je me casse. C'est la merde. C'est qui ça? Bonsoir. Il y a des gens derrière vous quand même. Ah, j'ai loupé toutes mes balles apparemment. Est-ce que tu peux me renseigner sur ce que tu sais par contre? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Cours et tire. Voilà. Est-ce que je peux y mettre une petite cartouche dans la gueule? Oui. Ok, c'est bien, ça c'est pas mal. Voilà. On s'est fait pas mal de trucs sur avec le pillage là, c'est bien. Largage de ravitaillement là. Bon, c'est pas si horrible que ce que je pensais. Oh la vache. Oh, c'est vénère de l'autre côté là. C'est pas si horrible que ce que je pensais en fait. Le jeu est pas si... J'avoue que je m'attendais à vraiment de la merde. Mais ça va. Bah, si vous foutez là vous. Oh, c'est dégueulasse. Et on peut pas changer de skin aussi pour le couteau? J'aime bien moi. Merci de m'avoir sauvé. Voilà. Mec, il y a une tenue assez stylée sur New Dawn que tu peux avoir en easter egg. Faudra que tu débloques les expéditions assez rapidement, je te dirai comment faire. Ok, d'accord. Je verrai ça après. Pour l'instant, journal. À début, en récupérant le business plan de Wikibinia. Oh là là. Alors. Allez bien, Carmina Burana là. C'est quoi Carmina Burana? Parce que c'est...
Ah oui. D'accord. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que j'en entends tout le temps parler, enfin j'en ai entendu tout le temps parler quand j'étais gamin de Carmina Burana et j'avais jamais, je me souvenais jamais de ce que c'était en fait. C'est ouais, je me souviens. Alors, trouver Richard. Richard, le roi du Ricard. T'inquiète pas qu'on va le retrouver. Oula, oui, dans la merde, Richard. Ou alors Richard s'est enculé. Attends, hé, Richard. Attends. Va falloir que j'y mette une caisse à Richard parce que... Et yo, Richard. Tiens. Ah, je peux le réanimer, c'est bon. Et bah, jusque là, on va être tranquille. Et voilà. Ça, Richard. Ah, le en slip. Ah, Richard. Oula. Riri, reviens, Riri. Déconne pas. J'aime bien ton slip. Richard. Putain, fais pas le con, Richard, dis. C'est où ta planque? C'est là ta planque? Du bougainvillier. C'est quoi du bougainvillier? Certains animaux peuvent entraîner leur proie dans leur antre. Oh là là, mec, ils ont rajouté un masse de principes, là. Fousille une balle dans le cul. Attends, faut que... C'est ça, ça planque. Et ça, ça planque. Non, c'est pas ça, ça planque. Oh, le loser. Allez, là. Putain, il est relou. Tu veux pas juste nous dire où t'habites, quoi? Parce que là, c'est vraiment long, quoi. Putain, Richard, t'arrêtes tes conneries. Ah bah, t'es là, voilà. Ça va, Richard? Riri, parle-moi, Riri. Ok, j'ai perdu toutes mes fringues aux cartes. J'ai un problème, je sais. Mais je pensais pas que j'en arriverais là. J'étais un des éclaireurs de Dean. Je me disais que les ravageurs voyagent tout le temps. J'aurais une bonne source d'informations. Ok. Si je gagnais, ils me diraient tout. Mais sans m'en rendre compte, j'ai parié tout ce qu'avait Bean. Tout ce qui me restait à offrir, c'était les fringues que j'avais sur le dos et le business plan de Bean. Le plan est dans ma cachette, dans un petit bunker de l'autre côté de la colline. Je parierai plus jamais, je vous le promets. Je suis blessé. Alors, entrez dans le bunker. Ben voilà, on est tranquille. Allez, bon courage. Viens, Carmina. Ne parle pas ce détraqué sexuel. Oula. Ouais, c'est bon. Ce détraqué sextuel. Ce détraqué textuel. C'est bon, ça, comme nom, détraqué textuel. T'inquiète pas, moi aussi, je les vois, les ennuis, mais... Hop, à coup de calibre 12, ça va vite. C'est pas du calibre 12 du tout. Oh, niveau 2. Oh, putain, le niveau 2, dit. Oh, y'a un niveau 2, ça va chier le cul, là. Ah, c'est bon, il est con. Ah, donc maintenant, le... Les tirs de suppression te foutent un gros filtre sur la gueule. Je vois l'ambiance. C'est qui, ça? Oh, il faut une demi-tour, Audi. Reviens. Ouais, mais les gonzesses, vous foutez pas sur un quad, vous savez que ça finit mal. Les flammes vont se propager très vite. Ta gueule, y'a pas de flammes. Où ça, les flammes? Putain. J'en ai marre d'être entouré de cons. Ok. Alors, ah, nice. Trou de dick. Arrête, me dis pas. Non, me dis pas que le nom en anglais du coin, c'est Dick Hole. Tu peux pas. C'est pas. Je crois que c'est illégal. Il me semble, hein, dans certains pays, c'est passible de mort. Hein, vraiment, c'est sérieux. Hein. Ah, on a fini le trou de dick, c'est bon. Allez, on va rentrer dans le trou de dick. Ça sent le fromage. Ah, c'est ça les flammes que t'as vues en fait, dans ton esprit. Ah. Est-ce que je peux choper le talent pour crocheter? Non. Ça coûte 6, allez, quand même. Les jumelles tactiques, peut-être qu'il va falloir que je le chope à un moment. Fan de la nature, fan de pute. Et j'ai toujours pas de... Ouais, d'explosif télécommandé, non? Pas grave.
Business plan, déjà, c'est, déjà j'ai ça. Ah, c'est vraiment ça ma voix ? Chut, terminé. Non, pas terminé. Je voulais vous dire que j'avais... Oh, ta gueule ! Oh, ferme ta gueule ! Aller vers le sud, j'imagine. Vous me trouverez, j'ai confiance. Ferme ta gueule. Oh là là là. Ce personnage m'insupporte. J'espère qu'on va pas se le taper pendant tout le jeu parce que sinon ça va chier. C'est marrant, il est toujours pas mort lui. Ok, on va prendre le quad. Carmina, elle a la Garonne en cru. Oh la vache. Oh le calibre de l'expression, mon gars. Elle a un stopping power de ouf quoi. Je suis sûr que tu tues quelqu'un avec cette expression. C'est bon. Allez, go. Pour l'instant, c'est cool. Pour l'instant, c'est sympa comme tout. Ça vaut pas le prix, mais c'est sympa. Disons que si t'as acheté Far Cry 5, j'estime qu'ils auraient mieux fait au moins de filer un genre de, je sais pas, une réduction, ou si t'as le jeu, ça te coûte 20 balles ou 30 balles, un truc comme ça, parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bonsoir. Bien le bonjour. Ferme ta gueule. Mon père disait toujours que c'était pour les clowns et les bébés. Et je ne suis ni l'un ni l'autre. Si, si. Vous vous rappelez quand j'ai dit que je vous revaudrais ça? Eh ben, je vais installer le QG de Wikibinia à Prosperity dès maintenant. J'ai des éclaireurs qui cherchent toutes les infos. C'est super. Créer des cartes. Ok, bah, merci. Ok, bah, c'est la merde. C'est quoi? Audiophile. Oh non, faut retrouver les albums encore, putain. Encore un truc que je ferai pas de tout le jeu. Ok, lecteur MP3. Ah d'accord, faut trouver des lecteurs MP3 maintenant. Ah ça c'est un vieil iPod de 2002. T'as le bundle FC5 et FC New Dawn à 100 balles sur Steam. Ah quand même. Méfiez-vous de la ruche, y'a une ruche. Ah y'a une ruche. Va voir là. Ok, compris. Va voir. J'adore. Alors ouais. Alors, j'ai des éclaireurs qui cherchent toutes les infos. Je vais recréer des cartes. T'as vraiment une sale gueule, hein. Vous verrez. Avec mon business plan, oui. M'intéresse pas. Va conquérir le monde. Vous vous reposez jamais, vous. Bon. Ok. Vous m'avez aidé, alors c'est mon tour. Ah voilà, impeccable. Perte blanche en série. On est tranquille. Succès débloqué. Oui à Wikibinia. Oh là, ça met, ça, rien que le nom, j'ai mal, ça m'énerve. Le nom me fait tousser, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut sauver un autre spécialiste et faire deux autres aménagements. On va faire directement les spécialistes, parce que je pense que ça va être des missions plus longues. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on prenne Bjork, ou est-ce que vous voulez qu'on prenne Grace, qui était dans Far Cry 5, déjà? Ah oui, difficulté 2, c'est marrant, ça. On va aller là, avant. Tu rentres? Ah, c'est pas toi. Tu veux pas rentrer, Carmina? Pas la gueule. Je suis derrière vous. Bah, dépêche-toi. Allez, viens. Voilà. Vache, elle est lente. Même problème. Bip bip. Alors du coup, je prends qui? Je prends Grace Armstrong ou est-ce que je prends Bjork? Laquelle des deux? La Renoir ou la Blanche? Attention, ce choix est très dangereux. Hein. Je vais tous noter vos noms. Je vais me souvenir de tous vos choix et ça va chier. Grange louche, et bah voilà, impeccable. Alors. C'est. Ah bah bonjour. Merde, c'est un pote. Désolé. Ah ça va, si tu vois, c'est bon. Une petite balle perdue, ça se fait, non? Hop. Blanche, Renoir. Grace. Bon bah écoute, ça va être Grace. Hein. Je vais aller prendre Grace après. Attends, y'a un truc au-dessus là, ça me plaît pas là. C'est quoi ça? Ah, voilà. Alors, je pense par contre que s'il y a beaucoup de ressources gathering à faire comme ça, il y en a beaucoup que je ferai hors stream. Parce que je sais pas si c'est vraiment, vraiment très passionnant à regarder, tu vois. Et j'ai pas envie de faire de stream relou sur Far Cry, ce serait con parce que pour l'instant, c'est un jeu dans lequel je m'amuse. Donc on verra. Pour l'instant je le fais là, mais on verra pour la suite, d'accord? Ha.
Ok, impeccable. Non mais ouais, je vais prendre Grace parce que ça va faire chier Hoffman et j'aime bien faire chier Hoffman. Oula. J'ai appuyé sur Windows sans faire exprès. Je crois que le Jésus des racistes vient de me punir. Ok, go. Ah. Ok, go. Y'a pas eu de son quand je me suis pris ce caillou, c'était marrant, on aurait dit qu'il était en mousse. D'abord, on va aller choper ça, là. Ensuite, on ira choper Grace. Enfin, choper Grace. Je me comprends, hein. Attends, je vais juste lui niquer la gueule à lui, là. Pourquoi toutes les cabanes, elles sont niquées? Ça s'appelle un hiver nucléaire. Attends. J'ai loupé. Mais il a pas de tête ou quoi? Mais c'est quoi ce délire? Et je lui ai foutu 3 balles dans la tête. Mais c'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave, on se casse. Rentre-toi. Monte. Mec, non. Me dis pas accuracy, je lui ai foutu les balles dans la tête. Je refuse de croire. Bonsoir. Ah merde, c'était un pote. Que je lui ai pas mis les balles dans la tête, c'est pas possible. Impossible brutality. Ouais, du créateur, ouais. Ah bah c'est un stream musical ce soir, hein. Sortilège, créateur, anthrax. On est bon, hein. C'est Barashi. Pourtant t'as dit que j'étais adorable. Ah, tu peux être adorable et raciste, hein. Mais t'es une merde. C'est ce que je dis, hein, c'est rien d'autre, hein. Faut pas t'inquiéter, hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Y'a une ruche ici, attention. Là. Ah, vous allez vous faire piquer. Ah, ça les affaiblit de ouf, c'est cool. Hop, faire tout péter. On est tous des merdes en soi. Ça va, je me considère pas trop comme une... Je me considère comme un connard, mais une merde pas tellement en fait. Je suis assez en paix avec moi-même, j'ai l'impression. Donc ça va. Je paye les kebabs. Ah, oh là, on m'a vu. C'est qui m'a vu? Ouh. Ok. Oh. Oh. Je fais des cris, hein, je suis désolé, hein. Cette machine s'est activée quand on est passé en voiture. Si c'est pas une invitation, je sais pas ce que c'est. Le problème maintenant, c'est qu'elle fait des éclairs bizarres et qu'elle bloque la porte du bunker juste sur le nez. La chenille a été longue et je veux ce qu'il y a là-dedans, trouver un moyen de couper l'alimentation de cette connerie. Et bah, il faut suivre le cob. Et le cob. Y a pas de câble. Y a un câble. Ah oui, si, y a des câbles. Voilà. Et les câbles, ils vont là-dedans. Le surimi. Ah. Hop. Ok, alors attends, faut qu'on trouve un moyen de rentrer dans cette merde là. A l'aide. Faudrait appeler SCAD. Il a bien géré sur House Flipper, je suis sûr qu'il peut nous faire un truc. Ok, faut trouver une clé avant. Là, faut trouver une clé pour enlever, pour ouvrir la porte, pour désactiver l'alimentation, pour pouvoir rentrer dans le bunker. Et non. Ça va durer de vie, tranquille. Ah. Ah, putain de serpent de cul. Il est mort? Non, je tire comme une merde, hein. Voilà, c'est bon. Tac, y'a pas la clé ici, là? Attends, me fais pas croire que la clé n'est pas ici. Oh, la porte! Bon, bah, merde. C'est la galère, là, non? Ou à moins que je puisse tirer sur un truc ici. Ouais, j'ai commencé à croire un peu, là. C'est le dernier endroit qui nous reste à fouiller pour trouver un moyen de désactiver la machine, mais je vois vraiment pas comment rentrer, la porte est bloquée à l'intérieur par la chaîne, je vois le cadenas depuis l'ouverture sur le toit. D'accord, ok, c'est bon. Quel con. Lis les documents, Russienne, putain, lis les documents, quoi. Quel relou. Attends, il est où le trou sur le toit, là? C'est ça, le trou sur le toit? Ouais, d'accord, ouais. Putain. Je suis un peu un abruti. C'est pas la machine de l'autre connard sur RC5 qui part avec les aliens? Je crois que si, ouais, la route est en coin, là, ouais, c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. D'ailleurs, on l'a pas fait cette mission sur Far Cry 5 sur le stream. C'est avec ça que tu récupères le genre d'armes qui fait des typhons, là, enfin qui balance des impulsions. Un peu comme dans Minority Report. Ok, impeccable. Wouah, comment il y a trop les informations mathématiques. Ok, impeccable. Pour l'instant, est-ce que il vous dit ce standalone là? Est-ce qu'il vous plaît? Pas forcément que vous l'achetiez, mais comment vous le trouvez comparé à Far Cry 5? Tiens, voilà, une question importante. Comment vous le trouvez comparé à Far Cry 5, le jeu?
Ça, c'est important. Mouais. J'ai connu Pierre. Venant de Hoffman. Mouais venant de Pav. D'accord. Différent. Et non, les gars, faites gaffe avec les opinions tranchées, hein. Alors. Oh. D'accord. Sincèrement, je trouve les deux à chier. Et ben voilà, enfin quelqu'un avec un avis, bordel de merde. Même s'il est faux, au moins il a un avis. C'est quoi ça? Oh non, putain, on va se taper encore. Ah, j'aime pas les fichiers sonores, putain. Ils sont longs en plus tout le temps. Ça, c'est bon? Yes, c'est quoi? Est-ce que je viens de récupérer des crédits Far Cry? Ah ouais. Il y avait des pièces Far Cry. Escape from the rooftop. The ultimate death is waiting for you upstairs. What? Undying love. Death won't do them apart. What? Burn... A Guy Marvel movie. Burn bridges. Y'a pas des petits des petites références? Ubisoft présente. Oh là là. André Deadman. Étienne Langlais. Ça, c'est les gens qui existent, ça. Étienne Langlais, je crois que je l'ai déjà vu dans des trucs. Ok. Une vache qui brille. Des crop circles. Crops lost, frozen, shocked. Oh là 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 là. Ouais, c'est le mec qui s'est kidnappé par les aliens, du coup, ça. C'était les DLC zombies de Far Cry 5, d'accord. Les niveaux des ennemis, je suis pas fan, mais ça a l'air cool, Dak. Ok. Je le prendrai après avoir fini Exodus. Je pense pas que je le ferai. Exodus, d'ailleurs, est déjà disponible en crack, mais j'ai même pas envie de le télécharger. Vraiment, j'ai pas envie de jouer à Exodus. Il m'intéresse vraiment pas, quoi. C'est quand même dingue que Far Cry New Dawn m'intéresse plus que Exodus, quoi. C'est effarant, quoi. Allez, Grace. Parce qu'en plus, elle était déjà dans Far Cry 5, du coup, ça va être cool de l'avoir maintenant. Tiens, il y a un truc là-bas encore à fouiller, remarque. On va faire ça vite fait. Moi, il me dit bien, je trouve déjà plus sympa déjà la progression plus linéaire, plus simple que les trois zones à débloquer qui faisaient pas avancer l'intrigue. L'ambiance me parle plus que celle de FC5, en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est déjà plus original. Après, quand je dis plus original, ça veut pas dire original non plus, hein. C'est du post-apo. C'est vraiment le post-apo de bébé, quoi. C'est convenu, quoi, c'est ça que je veux dire. Y a rien de spécial là-dedans, c'est Fallout avec des couleurs, quoi. Mais c'est cool. Pour l'instant, c'est cool. Oh mon Dieu! Mais quoi? Mais quoi? J'ai rien... Ah. Ah, peut-être qu'il va falloir se grouiller, là. Merde, 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 merde. Bon, tant pis. Paf. Toi au moins ta gueule. Vous fermez votre gueule. T'as un autre là-bas. Mais tire pas dessus, tire ma pote, tire sur mon... Aouh. Tire sur mon pote. Voilà, impec. Merci. Bon bah et au moins elle est un peu utile. Exodus c'est vraiment sympatage. Putain, je lui vois vraiment rien, quoi. J'ai l'impression que c'est le même jeu en fait, mais avec une map différente, avec du ressource, avec des ressources, avec des... Je sais pas. Enfin, il me fait rien du tout, quoi. Puis déjà, Métro, j'avoue, je m'en fous un peu. Alors peut-être que ça joue, hein. Métro, Last Light, t'es le premier, je les ai pas fait, enfin pas en entier, donc... mais enfin... Aucun... rien du tout, quoi. Même les notes, elles sont pas ouf, non. Bah, c'est le problème, quand tu fais un genre d'open world... Ah, ça pue l'amateurisme, quoi. Le gameplay que j'ai vu, on dirait vraiment un jeu d'un studio indépendant, quoi. C'est ouf. Ça bug de partout, il y a les animations qui sont à chier. Je sais pas. Ok, je suis là. Ok, go. Exodus m'en touche une sans faire lever l'autre. Bah voilà, pareil. Après, si t'as tes couilles qui se lèvent, je pense qu'il faut voir un médecin, mais moi, exactement pareil. Peut-être que je le ferai un moment, hein, mais... Pour l'instant, c'est ni une priorité, ni une envie. Attends, je vais juste aller voir là-bas le camp, parce que j'ai l'impression que c'est du coup un camp à vider, ça. On va aller le débloquer juste pour le foutre sur la carte. Ouais. On va faire un petit demi-tour, tac. Et hop, on va retourner voir Grace.
On va essayer de voir si on peut si on peut en garder un pour nous après. On va voir, on va voir. On va voir comment ça se passe. Ta gueule. T'es majeur, hein. Attends, attends. Lui, ça va être intéressant. Je crois que j'ai du stuff sur moi avant, en plus. Alors. Ouais, merde. Où est-ce qu'on en est? 60 trucs. Mais attends. Ah d'accord, faut spammer, en fait. J'ai rien oublié, là? D'accord, ok. Ok, je vois. Donc, qu'est-ce que je peux choper, là? Je peux choper des trucs, quand même, là. Mais j'ai pas envie de dépenser mon éthanol tout de suite, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la couillette niveau ressources. C'est parti. J'ai fait tout le jeu et j'ai pas eu un bug, juste du mal à l'installer. Il est magnifique, histoire est géniale. Ce qui est pourquoi on joue à un métro, l'ambiance déchire, c'était une tuerie. Ouais, ouais, l'ambiance, enfin... Je dis, moi en m'attendant Metro Exodus, j'ai vraiment cru voir du Fallout 4, quoi. Un genre d'extension à Fallout 4. Vraiment, rien de plus, hein. Après, peut-être que c'est cool, hein. Mais, enfin... Attends, y'a quoi, là? On va se les claquer viteuf. Ta tante Grace? Tu connais Grace? Ow! Attends, je me prends des caisses. Oh merde, c'était classe! Voilà. Et voilà ce que j'inspire chez les gens. C'est bon, c'est fini ça? Bah écoute, impec. Mais Fallout 4 était chiant comme la mort. Bah écoute, ce que j'ai vu de Metro Exodus pour l'instant, c'est pas beaucoup, beaucoup mieux, hein. Mais bon, on verra, j'essaierai de le faire. De toute façon, je vous le dis, je pense que Adoum va le streamer, je sais pas quand par contre, mais je pense qu'Adoum va le streamer à un moment, donc y a moyen que vous le voyez sur la chaîne. C'est quoi, c'est un scorpion? Ah non, non, c'est de la merde. J'ai cru voir un petit scorpion, ça m'aurait plu, mais tant pis. Exodus supérieur à Fallout 4, non, en même temps, c'est pas difficile. Burrito Bison, il est supérieur à Fallout 4. Mais je veux dire qu'on dirait des jeux similaires, quoi. Alors qu'à la base, quand tu me parles de métro, je vois pas du tout un jeu dans le genre. Je vois pas du tout un jeu où tu te balades, nanani. C'est un jeu d'exploration de bas-fond et de métro d'écœurance, peut-être, mais pas de désert et de toundra, là. Après, bon, si ils ont voulu tenter un truc différent, on peut pas trop leur en vouloir, mais tout ce que je dis, c'est que moi, ça m'intéresse pas, quoi. Quel beau tir! Là, j'ai 70 balles dans Exodus. Quand t'as des MC5 qui sortent en 2 semaines, faut pas être sain. Alors ça, après, là, d'accord, je veux bien vouloir dire les goûts et les couleurs, parce que là, bon... Le mec, il kiffe pas des MC de base. Je pense que des MC5, il s'en bat les couilles, hein, personnellement. Moi, je pense que je le ferais aussi, des MC5. Enfin, je te l'emprunterai une fois que tu l'auras fini, quoi. Enfin, mais bon... C'est pas une nécessité non plus, quoi. Faut vraiment que je me trouve un... Ah, explosif de proximité, peut-être que je peux maintenant. Ah mais du coup, attends. Est-ce que je peux le faire? Ah! Ouais, bon, ça marche. Ça pique, mais ça marche. Oh la vache, par contre, elle a pris cher, elle. Et putain, le désert, on est dans 2 heures durant les 15 heures du jeu. Merde, à la fin! Oh, alors! Calme-toi, poteau. Bonne nuit, l'autruche. Dors bien, poteau. C'est parti. Enfin, je pense que le focus de Metro Exodus a pas été le bon, quoi. Je pense qu'à la place de nous offrir une expérience riche, je sais pas. Je testerai le jeu et puis j'écrirai ma petite review sur mon Skyblog. C'est quoi, ferme de la récup? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ici, là? Ils ont fait Splatoon ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Il y a Sunpear en plus, là, je suis tout seul. Seul tout était assez marrant en plus avec Eric et Ramsey, mais après ça c'est mon opinion, écoute. Ah bah non, mais Armstrong elle est là, d'accord, ok. Et je suis sûr qu'il va me foutre une cartouche dans la gueule à un moment là. Ça va? Qui c'est? Qui c'est qui me voit? Ah mais tu me vois toi? Bonsoir! Sors ta gueule! Ouais, ça, le lance-ci, on s'en bat les couilles. Écoute, on lui parlera après, pour l'instant il y a des trucs à fouiller là. Impec. Pav, il a back down direct quand avant de parler de MC5, il a compris rapidement.
11 ans qu'il n'y a pas eu de DMC. Ouais, enfin... Personnellement... Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Hein. J'aime bien DMC, mais vite fait, quoi. Ouais, j'ai fait un peu, et... bon, bah, écoute, c'est cool, quoi, mais... Perso, je peux pas péter ça ? Non ? Même si je fais des... Bip, comme ça, là, non ? Eh ben, c'est la demeure, en fait. Peut-être qu'il faut le péter de l'intérieur ? Attends. On va tester un truc. On va... Ah... Non. Il y a des trucs à péter... On peut le péter, peut-être, la planche, là, non ? Non, ça c'est bidon, ça. Ah, c'est bidon, ce que je fais, là. À mon avis, c'est peut-être Armstrong qui va déclencher un truc. Genre, attention, faut défendre la ferme, gna gna gna. Je le sens. Et... Kipipou, ça va ? Eh, ça va ? Ça... Mais il est méchant ? Oh, ah, oh, putain ! Oh, le vieux bruit qui s'est à peine lancé, en plus. Touk. Ok. Bonjour à Grace Armstrong. On peut peut-être s'entraider. Oula, oulala ! Merci. Bah, ça va ? Il y a eu des... Non ? Ça va, Storm ? Ouais, elle est aveugle. J'ai peut-être pas autant la forme qu'avant. Mais je sais encore... Elle a dû... c'est pendant le blast, j'imagine qu'elle est devenue aveugle. J'ai fabriqué une arme pour contourner le problème. Je me suis inspiré d'une idée à vous, d'ailleurs. En y rajoutant quelques modifications. Si j'étais pas si modeste... On comprend pas, hein. Est-ce que tu veux parler un tout petit peu plus fort ? Le seul problème, c'est que les ravageurs me l'ont volé pour l'emporter à la vieille gare de triage. Bah voilà, Cimer, putain, la relou, quoi. Ce sera pas facile, mais croyez-moi, ça vaut le coup de risquer. Ok, bah après, si c'est pour une arme, moi je veux bien, hein. L'arme. Reprenez ce qu'ils ont volé. Ah, chier. Et bah voilà, ok, largage de ravitaillement, il est où ? Dans Destas. En fait, à chaque fois, c'est au-dessus de ma gueule, j'ai l'impression. Genre, ils font genre, attention, on va chercher le ravitaillement, il est pas trop trop loin. Mais ouais, il est juste là à chaque fois, en fait. C'est bon, en avant. Bah écoute, on va aller choper aussi, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal niveau ressources, ça. Hop. Il y a les enculés là-bas, mais c'est pas grave, on va les chlasse avant qu'ils arrivent, de toute façon. Oh la vache, elle se vénère, elle ! Changement de compétence, quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Genre, elle a beaucoup trop... Attends, elle fait des trucs chelous, là, qu'est-ce qui se passe ? Changement de compétence ? Ah, elle gagne des compétences ! Plus elle fait de kill, plus elle gagne de compétences ! Maintenant, elle peut lancer les dynamites, et après, elle peut lancer 3 bâtons de dynamite, d'accord ! Et là, il y a les animaux. Il y a Timber, un tout petit pipou adorable, qui marque les ennemis, ensuite marque les matériaux et ensuite mange. Et Horatio, la vache, le sanglier de guerre. Urk Drubman Jr., donc ça c'est Urk avec, avec 17 ans de plus. Une mamie avec une Dragunov. Oh, elle va être cool, elle. Le juge, waouh, comment elle est trop cool. Une moche. Et oh, il est vivant, lui. Berserker, tu m'étonnes. D'accord, et bah écoute, c'est marrant de revoir les anciens personnages, j'aime bien ça, moi. C'est con, hein, mais le côté le temps a passé, ça me plaît. Ok, d'accord, c'est l'avance 6 niveau 2 en fait que je gagne, d'accord, très bien. Allez, trouble fait, let's go. Horatio, il paraît qu'il est ouf. Ah bah, un sanglier direct, quand il est de ton côté, t'es tranquille, hein. Moi, je me suis fait poursuivre par un sanglier en forêt, je te promets que s'il avait un pote en plus. Drive by. Ok, go. T'es vraiment une merde. Tiens dessus. Yes. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de moyens de récupérer des ressources rapidement. Je pense qu'il va pas y avoir trop à farm longtemps. Il y a les largages, il y a les mecs, les pillards. Ça va être pas mal. Je pense que le jeu a moyen d'être fun très rapidement. Déjà, je me fais pas chier, là, donc ça va, tu vois. Faut pas dire ça de tous les jeux, hein. Ah, éviter un truc. Cette car a l'air tellement satisfaisant à qu'on est... Tous les véhicules de Far Cry 5, on déconne, mais Ubisoft, ça doit être un des jeux, là, qui est le plus agréable... Oh.
Ah, très joli jeu. Mais ouais, ouais, tous les véhicules sont vraiment sympathiques à conduire. Les bagnoles sont cool, les motos sont cool. C'est vraiment sympa, hein. C'est autre chose que Watch Dogs, quoi. C'est une purge Watch Dogs, putain, à ce niveau-là. Pourtant, c'est un jeu Ubisoft pareil, hein, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leurs équipes, mais les gars de Watch Dogs devaient être sous-payés. Enfin, ils sont toujours sous-payés vu que c'est des devs, mais je veux dire, ça devait être dégueulasse, quoi. Alors, il y a un autre truc là que j'ai pas encore vu. Est-ce que je peux le débloquer, s'il vous plaît? Yes, impeccable. Est-ce que je peux te parler, toi? Attends. Yes, ok. J'ai du butin. C'est tout? D'accord. Et donc en fait, ces mecs-là vendent uniquement des infos et des munitions, d'accord. Donc ils vendent rien de ouf, quoi. Wow! Ouais, voilà! C'est ce que j'ai dit! Oh putain, il prend pas ses balles! Oh là là, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas... C'est que tu vas monter et on va se barrer d'ici, mais de ouf, mon gars! Oh là 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 là! Oh la panique! Putain, je lui ai tiré dans la tête, hein, au Dragunov, ça lui a rien fait au bison de mes couilles. Ouah! J'y font chier ces putains de serpents à la con! Ils sont vénères les bisons. Dans le jeu de base, ils étaient vénères aussi, mais deux coups de Desert Eagle, c'était bon, tu vois, mais là. Là, ça va être autre chose. Hein. Là, maintenant qu'ils peuvent gonfler les PV comme ils veulent, ils vont se faire plaisir sur les mobs. Hein. Avant, je conduisais vachement bien dans Watch Dogs. Eh bah, mec, je sais pas comment tu fais parce que je trouve que c'est infaisable, quoi. Et encore, je trouve que Watch Dogs, c'est faisable à côté de Ghost Recon Wildlands. J'ai jamais vu une conduite aussi dégueulasse, mais vraiment horrible. Même Big Rigs à côté de Ghost Recon Wildlands. Oh, l'horreur, putain! Comment tu peux laisser passer ça, quoi? Wildlands, au secours. Mais ouais, déjà que le jeu, bon... Tu sais, il y a des mecs qui disent que The Division, il est chiant, et je les comprends, mais Ghost Recon Wildlands à côté, mais... C'est l'épisode de Derek, hein. Et la conduite, putain, la conduite! De tout, hein, mais surtout des motos, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Gosse, c'était marrant, du coup, tu faisais 35 tonneaux d'affilée au premier virage. Ah ouais, mais... Alors, j'ai pas forcément trouvé ça marrant, mais... Enfin, dans GTA 3, c'était marrant, mais là, putain, c'était juste relou, quoi. Un hommage à Paris-Marseille, Racine. David X. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle est toujours là, ma pote, là? J'ai toujours... On est bon? Écoute, je pense que ça va chlasse d'ici, hein. Je peux pas aller un peu plus haut, là, parce que c'est chiant, j'ai pas de point de vue, là. J'ai pas de ville d'avis. Est-ce que je... Lui... Blip! Bah... Ah, voilà. Ok. Ah, il risque pas de s'en remettre! Ah! Oubliez pas d'emmener une serviette! Tu peux tirer? Voilà, merci. Défi terminé, Carmina Rai. Ah bon? Bah, c'est cool. Pick up. J'aurais kiffé plus de variations de péter l'animal suite aux radiations. Je crois que c'est mon truc préféré, les radiations dans les jeux, les serres complètement pétées, moitié malsain et tout. Comme dans Annihilation. En fait, c'est beaucoup ce que je ressens en m'attendant le décor là. C'est Annihilation, le film sur Netflix. Ouh! Eh ben. Genre, c'est vrai que du post-apo, mais avec des couleurs ultra flashy, style la nature qui a repris ses droits, etc. C'est vrai que c'est plus rare que le vieux gris partout et le désert, tu vois. Mais c'est vraiment sympa. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ah! Ouf! Mon gars, je suis en train de taper du Legolas, là, mon gars! C'est bon? Appelle-moi Legolas, quoi. Appelle-moi... Il y a quoi comme tireur? Guillaume Tell! Oh là. Alors ça, déjà non. Et ensuite, j'entends un ours. Et j'imagine que ça va être la grosse de mer. Oh là là. Oh là là, il est gueudin, l'ours. Oh putain, comment il est vénère. On dirait un ours... Tout de miel vêtu. Attends.
Ouais, je vais choper le talent pour ouvrir les coffres, ouais. Voilà, impeccable. Ça, c'est cool. Ça, c'était un ours niveau 3 en plus, on a eu du bol. Je crois que d'ailleurs, j'ai assez de thunes. Enfin, j'ai assez de perks. Ouais, j'ai plein de perks. Talent, on va prendre ça, du coup, serrurier. Ça coûte 6. C'est pas énorme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de facile, là? Vos déplacements font moins de bruit, on s'en bat les couilles, on va bourriner de toute façon. Parachutiste, pour l'instant, hein, on a 2 points disponibles, donc limite, on va prendre les pas chers, là. Fan de la nature, fan de puce. Plus de munitions. Exécution avancée. C'est pas mal, ça. Hein. Tu peux les ouvrir en chalumeau. Ah ouais? Ah oui, force les coffres, exact. Bon, bah écoute. Ça m'a coûté plus cher, mais tant pis. Hein. Ça. Je vais prendre les jumelles tactiques, je pense. Ouais, ça, on s'en fout un peu. Ça, c'est 7. Et jumelles tactiques, c'est 4. Ouais, bon, écoute. Je vais prendre les jumelles tactiques parce que c'est quand même super utile. Munitions légères, pourquoi pas. Parce que j'ai tendance à défourailler du cul. Pro de l'apnée. Tiens, je vais prendre la canne à pêche. Parce que... Et y a pas le perk, du coup, pour revendre plus de trucs. Ouais. Y a pas de perk pour se faire plus de thunes rapidement. Bon, bah écoute, tant pis. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont viré, mais tant pis. C'est quoi ce bruit horrible? C'est la merde, Carmina, je pense, là. Oh là là. Voilà, mon gars. Voilà. Ah, ça va faire du cuss de ouf ça. Oh, par contre j'ai tout cramé là. Oula. Quoi? C'est qui? Ah merde. Et on premier tir que je rate. Voilà. Un hélicoptère carrément. Oula. Attends, c'est la merde, Carmina, c'est la merde. Carmina, ouh. Masato, Masato, accroupis-toi. Voilà. Comment le feu il est arrivé à l'intérieur là? Ah, d'accord. Ah, on a un petit problème avec Carmina là. Est-ce que je peux aller la save? Ça me fait chier, mais voilà. Carmina, c'est la merde. Oh là là, oui, en effet, oui. Ouh là là. Est-ce que tu peux juste survivre? Bon, tant pis. Évidemment, je suis sorti pour rien. Pas d'inquiétude. Pas de stress, y a poignet, ça. Oh putain. Donc on peut plus s'accroupir quand on recharge. Et ça commence à devenir un vrai gros problème, je viens de le remarquer. Ouais, file-moi du dubstep, ça va aller mieux. Oh là là, la frag movie. Oh la merde. Oh là là, la vache. Ok, ça déconne beaucoup moins du coup, hein. Le jeu il a tendance à te fister le fion, par contre les ennemis qui te rushent dessus, je trouve ça très insupportable. On va faire ça, c'est pas grave. Un ennemi sac à PV qui te rush dessus, dont la seule instruction c'est de te rusher dessus. Faut rester calme. Hein. Ah, je recommence tout. D'accord, ok. Bah tant pis, hein. Écoute, le fun on verra plus tard, on verra sur Far Cry 6 peut-être. Allez, on ignore la peur, on ignore la faim. Ah, par contre, c'est vrai que ça a tendance à casser les couilles. Hein. Ouais, non, c'est pas ouvert. Hein. Évidemment, voilà. Dans un monde post-apo, c'est marrant comment j'ai lu. T'as gardé tes perks? Bah, même pas en fait. Regarde, non, même pas. Oh là 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 là, putain. Oh, le truc casse-couille, quoi. Putain, je pense que je me suis un peu accoutumé au délire des saves automatiques à chaque fois que tu fais un truc. Mais putain, alors ça, c'est insupportable, quoi. Du coup, eux, ils vont être trigger. T'as beaucoup de chance, toi, voilà. Impeccable. On verra après. Non, toi, t'étais pas une méchante. Ok. Du coup, il va falloir refaire reniquer les moufettes, là. Oh là là, ça m'a saoulé d'un coup, là. Ouh. Ça a pulvérisé tout le fun que j'avais juste avant, quoi.
En même temps, j'avais pas clear le truc. Alors, je comprends, tu vois. C'est un peu comme si je m'étais lancé dans une mission secondaire, tu vois, de clear le machin. Mais ça m'a saoulé, là. Une arme auto pour dégazer dur. Bah ouais, il va falloir que j'en chope une, là, parce que... On est d'accord que l'arc, ça va pas me mener loin, quoi. À moins que, pour l'instant, je m'en sorte sans... Comme ça. Ah, c'est pas mal, ça. Alors l'autre, il a esquivé mes dégâts, mais écoute, sinon c'était pas mal. Ok. Bon, c'est pas mal. Il prend pas ses dégâts, le poteau, là. Il est pas d'accord, hein. Il bourrine le beau... Ah, d'accord. Je pense que... C'est peut-être moi qui lui ai foutu une balle dans la gueule. C'est possible. Ah là là, quoi? Ah putain, les abeilles! Oh la vie de merde! Attends, oh là 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 là, c'est quoi? Qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est venu d'en bas, d'accord. Merde. Putain! Oh, l'extrême reloutisme! Et lui, il a un masque de paintball, du coup, il est immortel. Est-ce qu'il peut crever, l'autre fils de putain, Nictaras? Ah oui, j'ai pas d'exécution. Ah d'accord, on voit très très vite en fait les limites d'un système RPG pour un... Enfin les systèmes de niveau là. Genre le fait que de façon magique tu puisses pas faire d'exécution sur un mec qui a plus de niveau, ça c'est vraiment super étrange quoi. Et c'est pas... ça marche vraiment moyen quoi. Au début je me disais que ça allait pas trop poser problème, mais là c'est vraiment chelou quoi. Que ce soit symbolisé uniquement par le fait que tu peux pas appuyer sur F et qu'il y a un message qui te dit non, il est trop haut niveau, tu vois. Encore l'ennemi, tu vois, te choperait et te fout à terre à la place, tu vois. Bon, mais c'est bizarre. Je trouve que c'est vraiment étrange. N'a aucun sens, hein. Cette séquence n'avait aucun sens. Ok. De toute façon, je pense que je vais finir de piller ça, et enfin piller ce camp là, enfin faire la mission quoi, et je couperai après, à mon avis. Parce que ça aura fait un bon stream, je pense que je voudrais bien montrer Newland. Du coup, verdict, je vais continuer à le streamer bien sûr, mais déjà je vais farm un petit peu, et puis ensuite on verra ce qu'on fait. Deck, ça vous dirait vous d'en voir plus de Newland? Même si hypothétiquement vous le prenez ou vous le prenez pas, on s'en fout, hein. Qui c'est qui me voit là? Ah, c'est toi! T'es bloqué dans ton parachute, espèce de cake! Regarde-le! Regarde! J'hallucine! Mec, j'hallucine! C'est pitoyable, hein! C'est pitoyable! Ok, bon bah écoute. Flèche dans le cul, hein, voilà. Littéralement, je suis désolé, j'ai littéralement une flèche dans le cul. Est-ce que je peux la rappeler, l'autre pute? Ah, ça me coûte des ressources de la réanimer. Oh là là. Ouh, ça, c'est pas très, très fun non plus. Hein. Bah. Sérieux? Bah, merde. Bon, bah, tant pis. Du coup, j'aurais pas toutes les peaux de mou... Bah, attends. Ah ouais, non, je me suis fait sucrer mes peaux de moufette. Oh, le bad. Bon, bah, tant pis. Bon, bah, c'est pas ouf, hein. C'est pas... pas gégène. Tant pis, hein, mais... Oh, je suis dégoûté. En plus, j'étais content, j'avais tué plein de moufettes. C'est con comme ça à dire, hein, mais... parfois, le meurtre du moufette, bah, ça va, tu vois. C'est mieux que buter des gamins ou violer des chinois, tu vois. Après, je dis ça, c'est un exemple comme un autre. C'est quoi ça là-bas qui meurt tout seul? Ah, on s'en fout. Ok, l'autre, il est venu mourir. Ah, des civils, ok. Pekeb. Pekab. Ah, je me souviens de ce coin-là. Ouais, c'était un coin dans Far Cry 5. D'accord, ok. C'est marrant de revoir quand même des coins qu'on a déjà vus dans le jeu d'avant.
C'est un petit côté sympa du jeu, je trouve. Ah, c'est quoi, c'est une arbalète? Ouais, ok. Ah, mais il y a les deux, en fait. Attends, c'est quoi? Quoi ce délire? Ok, c'est le lancier. C'est le même, d'accord. Ok. Eh ben écoute, ça me dit bien, hein. Récupérer les matériaux violets, très bien. Ces-ci peuvent couper presque n'importe quoi. Et si jamais elles peuvent pas le couper, elles rebondiront dessus. Très bien. Des ricochets sur les surfaces en métal. Ça vous donnera l'avantage face à un ennemi à couvert. Ouais, pour l'instant ça va, t'inquiète. A plus, RD, de toute façon je vais quitter dans pas longtemps. Hein. Merci de passer, man. Alors, est-ce que je peux trouver ces putains de matériaux de mon cul là? Là-dessus, là? Tu crois? Ça me paraît logique. Étonnant, mais un peu gluant, mais appétissant. Ouais, va falloir monter là. Je la sens, la connerie. Y a des trucs qui volent, du coup? Y a des véhicules qui volent? J'ai même pas vu. Ce serait marrant de survoler ça, du coup. Pour le coup, ce serait vachement intéressant. Non, décolle pas! Non! Voilà. Ok. Doucely, voilà. Ça, ok. Par-dessus, voilà. Ok, ça marche. Ok, un dernier matériau volé, on est bon. Là, on est déjà rentré. Là-bas, je pense. Non ? Ouais, si, ça va être là. Ils ont parlé d'hélico, il y en avait dans ton garage. Ah. Bah je me souviens même plus, tu vois. Ça m'a même pas choqué. Ouh. Ok. Bah écoute, impeccable. On va retourner voir l'autre grosse pute. Et puis on coupe. Dec. On fait comme ça. D'accord. On peut se TP là-bas peut-être. Si, pour éviter de se casser les culs. Ah, c'est juste à côté. Okay. Oui, c'est littéralement à 50 mètres en fait. Ok, j'ai même pas regardé. Y'a quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est quoi ce délire? Ouh! Donc ça c'est de lance 10 niveau 2, c'est ça? Oh, y'a un petit guinche. Non mais le petit guinche, c'est pas la... Par magie, il a pas pété dans mon visage, si je puis dire. Bon, je crois qu'elle s'est pris un rebond. Je crois qu'elle s'est pris un vieux rebond de merde. T'as pas de TP, faut améliorer le truc à ta base. Ah oui, exact, j'ai vu tout à l'heure ça. Vous avez fait du beau travail. Bah comment, enfin je sais pas comment t'as vu mais... Yes. Comme je vous disais, j'y vois plus aussi bien qu'avant. Comment ça plus aussi bien? T'es aveugle. Et le matériel que vous avez repris. T'es pas malvoyant, t'es non-voyant. Tu vois pas mal, tu vois pas. Les habitants de Prosperity sauront quoi faire de tout ce que... Bah les couilles. Gardez l'arme, faites bon usage. C'est ça, merci. Ouais bah écoute, ça s'est pas mal passé. C'était horrible, mais ça s'est pas mal passé. Est-ce qu'on peut monter tout en haut, tu crois, là? Un retour gracieux. Trop bien. Donc, du coup, plus un expert, on est bon. Du coup, on a les deux experts pour Prosperity. Et maintenant, il faut améliorer des machins. C'est ça? Si je me gourre pas. Voilà, faut faire deux améliorations sur Prosperity. Je pense qu'on peut le faire directement d'ici. Éthanol. Donc ça, pour l'instant, ça va être un peu chaud, vu qu'on n'a pas d'éthanol, mais... Expédition. Ah ouais, on va faire les expéditions. Allez hop. On chope ça. Nice. Voilà. Du coup, maintenant, je peux me TP à mon avant-poste. Est-ce que j'ai bien pigé? Yes. Bah, impec. Voilà. Pas grave, elle est aveugle. Elle a pas vu que tu l'as tiré dessus. Aïe. Quelque chose m'a tiré dessus de très très loin. Ah ouais, c'est super. Oh là là. Ça doit être un enculé de ravageur. Ça doit être Cypher. Ok, donc ça c'est les expéditions. Ouais, non. Parfait, on peut s'envoler. Ok, alors voilà ce qu'on va faire. Il a un accent québécois. Il reste partout où il ramasse des ressources rares. Nous, on va là-bas, puis je te dépose tout près. Trouver le colis et le récupérer. Cherche la fumée rose. Mais fais attention, il y a un émetteur GPS dessus. Dès que tu partiras avec, les ravageurs se mettront à te traquer comme une bête. Putain, je suis fan! Puis je viendrai te chercher avec mon hélico. Viens me parler quand tu voudras y aller.
Moi ? Je suis prêt tout le temps. Mec, le jeu, il a littéralement gagné 5 points d'un coup, quoi. Comment il s'appelle ? Eh, mais il est top tier, lui, mec ! Merci de m'avoir trouvé de l'état. Roger ! Comme ça, toi, moi, puis ma grosse patate, on va pouvoir faire chier les ravageurs, puis leur voler leurs ressources. Yes ! Les ravageurs ont trouvé l'épave d'un porte-avions, puis ils s'en servent pour planquer des trucs. Ils ont cru que personne la prendrait, hein? C'est mal connaître le Roger. Je sais pas ce qu'ils vont trouver, mais ça va nous servir. Alors qu'est-ce que t'en dis? On leur rend une petite visite. Mec, je veux partout où tu veux, mec. Ah, mais ouais. Tu veux qu'on se balade à la... Non, déconne pas. Moi, je veux bien me balader à la plage. Hein. Mec, il a littéralement trois rivières. C'est littéralement un Québécois, man. Oh, c'est génial. Ta gueule. Tu laisses parler Roger. Putain, mec, j'adore. Je suis tellement fan. Par contre, comment... Donc ça, c'est une expédition, c'est ça? D'accord. Donc les expéditions, c'est pas des NPC qu'on envoie, c'est vraiment des trucs pour... D'accord. Ok. Écoutez, les gars, on va faire ça vite fait. Comment ça, toute progression n'est pas... C'est quoi? C'est des mini-missions? C'est des délires. Comment ça, toute progression non sauvegardée, machin? Oula, c'est extrêmement chelou. Oula, ça m'a l'air spécial comme truc, on dirait les infiltrations de FOB dans MGS5. Si boire. Mec, mais c'est super. Je me souviens même pas jamais d'avoir entendu un Québécois dans un jeu vidéo. Au boulot, ma star. Oh, mec. Je suis aux anges, man. Je suis complètement aux anges, quoi. Franchement, il peut me dire ce qu'il veut, je vais écouter, quoi, je vais dire oui. C'est des trucs qui t'emmènent en dehors de Hope County et l'easter egg avec la tenue, c'est la 5ème mission. D'accord, ok, donc c'est des missions successives, donc. Ah, je peux faire des armes de niveau 2, désormais. Intéressant. À mon avis, si... Oh la vache, la baïonnette, c'est un putain de tournevis. À mon avis, si je prends une AK-47 maintenant, ça peut peut-être être super utile. M60 de fortune. Pour l'instant, on va rien prendre. Allez, pour l'instant, on va rester tranquillou. J'ai quoi, là? J'ai flingue, Dragunov et lance-disque. Eh ben, écoute, ça devrait être tranquille. Hop. C'est un 7-car, ça? Ah oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de moto, du coup, juste... Parce que la moto est assez jolie, et c'est vrai qu'il y a 7-car à chaque fois. Bon, c'est de la merde, ce que je dis, mais... Écoute, si j'ai pas le droit de dire mon avis, il est où? C'est quoi, ce bordel, quoi? C'est quoi, ça, là-bas? Ah oui, du coup, j'ai plus mes percs. Ah donc ça, j'ai. Jumelle tactique, j'apprends. C'est puis moi et mon pote Roger, là, on aimerait bien pouvoir voir de loin si les ennemis sont là. C'est-à-dire que... Tabarnak. Pro de l'apnée, ouais. Qu'est-ce que je voulais prendre, moi, plutôt? Il n'y a pas autre chose. J'ai votre fusil sniper ou votre pistolet semi-automatique en visant, ok. Boxeur professionnel, on s'en fout. Court-circuit. Porter une quatrième arme. Et bah voilà, impeccable, tu vois. Et pro de l'apnée. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre la pêche, mais c'est pas grave. Et du coup, maintenant, yes. Je peux en voir un peu. Putain, ils ont des camions carrément dessus. Ok. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça, tabarnak? Une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ok. Donc, on peut pouvoir aller jusque là-bas. Mais en fait, c'est des petites missions... des side missions qui se passent même pas dans la même map, en fait. Il y a un putain de requin, là. Je suis moyen rassuré, en fait. Ça fait pas trop peur, les requins, mais mon personnage étant un petit peu fragile pour l'instant, c'est vrai que on va essayer de faire ça tranquille, voilà. Alors par contre, du coup, j'ai plus mon arc, donc si on a envie de s'infiltrer tranquillou, ça va être un peu vénère, mais c'est pas grave. Je vais m'infiltrer au maximum, et si jamais ça pète, bah ça pète, hein. Et je peux pas avoir un pote avec moi. Ouais, non. Tant pis. T'es un pire.
Bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Petit O. Une kippa surgelée? Il est tout seul, lui? Hop, oh là, dans le cœur, dans la carotide, quoi. C'est, c'est vraiment ajouter insulte à l'injure, quoi. Oh putain, je peux pas prendre le... Mec, mais je veux ça, moi. S'il te plaît, faites qu'on puisse en réparer un et qu'on puisse le piloter. Je vous en supplie. Jésus, Marie, Denis. Je veux pouvoir piloter. Je sais pas ce que c'est, on dirait un arrière ou un F-16, j'en sais rien, mais... Ok, alors, voyons voir. Ah, il y a lui, là-bas. Ah, il y a ça aussi. Le faux espoir. Ah là, complètement, je suis d'accord. Je suis le premier déçu, quoi. Tac. Yes, du titane. On a besoin de souvent, ça, en plus. Putain de merde, c'était quoi, ça? C'était rien, ça. T'inquiète. Ah, ta gueule. Cassez-vous. Voilà. Ok, moi, je me casse. Voilà, impeccable. Merde. Bon, bah, écoute. Tant pis. Allez, y'a pas de choix. Pas de choix, faut y aller. Comme disait mon cul là. Merde, loupé. Ils ont appelé des renforts. Alors là, c'est la merde, c'est ça? Oh là là, ça me tire dessus de partout. C'est la grosse de merde. Attends, va falloir que je m'accule. Tout seul. Comme ça, on sent tranquille. Ok. Voilà. En plus, ça me permet de choper un truc que j'avais oublié tout à l'heure. Ok. Les ravageurs vont continuer à envoyer les renforts. Alors perds pas ton temps, prends ce qu'on cherche, puis sauve-toi de là aussi vite que possible. J'adore! Mec, j'adore Roger! Mec, c'est mon personnage préféré de tous les Far Cry. Il est au-dessus de Vaas, il est au-dessus de tout le monde, ce mec. Oh là là, j'adore. Je suis aux anges. Mec, ils ont foutu du petit trap là, mon gars. Ouais, carrément, ouais. Il est street cred, le jeu, mon gars. Waouh. C'est sûr, ils ont appelé Kiki Sensation. Toi, ta gueule. Casse-toi. Voilà. Écoute, je vais me balader avec mon lance-disque. À mon avis, je serai tranquille. Attends, quoi? Konami, on va racheter une porte. Non. Ok. Ça, yes. Si seulement on pouvait le récup en tant que compagnon, putain, ouais. Mais là, tu vois, c'est bien parce qu'on va le voir uniquement quand on a envie de le voir, tu vois. C'est un peu... On n'aura pas le temps. On n'aura pas assez de temps ensemble pour qu'il nous saoule. On le verra juste, ce sera unique, tu vois. Chaque rencontre avec lui, ce sera unique. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Enfin, ils ont appris ce qui plaisait aux fans français, quoi. Le Québec. Ok, go. À mon avis, il va être là, le colis. Hein. On est d'accord. Un gros truc qui brille. Enfin, peut-être pas là, mais là en bas, quoi. Hop, toi, ta gueule. Ouais, le colis. Ah, colis, il est là. Ouais, il est en dessous, le colis. Putain, ils ont une petite scène et tout. Ils ont des... Ah ouais. Et ils sont pépères. Ouh. Mais il me plaît, ce lance-disque. Je vais avouer que il est vraiment sympathique, hein. Je vais peut-être pas... Comme il l'a dit, je vais pas perdre mon temps avec ces cons-là. Je vais me casser tout de suite, là. Oh là là. Oh là là là. Alerte générale. Toi, ta... Merde. Quel con. Hop, toi, ta gueule. Hop, toi, ta gueule aussi. Blip, 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 blip. Oh là là. Vite, rentre. Non, perds pas de temps. Ah, putain, on n'a pas le temps de faire de la couture. Voilà. Ouais, c'est la merde, là. Je sais pas où elle est. C'est la grosse de merde. On va essayer de monter par... Il y a une échelle, là. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas niaiser, le... T'inquiète pas, Roger. Je vais faire de moi en mieux. Y'a pas... Ah, y'a pas de sortie. Ah, waouh. Hop, toi, ta gueule. Laisse-moi tranquille. Voilà.
Je pense que je vais pas mal utiliser la lance-ci parce que je commence à bien aimer l'arme. Le potentiel de rebondissement, il est rebondissant. Ta gueule. Merde, j'ai pas de wingsuit. J'ai pas de bloqué de wingsuit. Oh, j'ai le talent. Attends. Yes. Pile au bon moment, mon gars. Ah. Bah non, mais c'est pas gentil. Dis pas des choses comme ça, tu me vois même pas en plus, c'est de la merde. Ah, faut attendre une minute quand même. Ah ouais. Ah, ça va peut-être être problématique du coup, mais c'est pas grave. Ha. Ta-ta-ta-la, putain de requin de ouf. Parachute. Hop. Et bah voilà. Eh, tranquillou. Bon, maintenant on va se faire attaquer sans relâche par des connards, mais ça c'est pas grave. Vu qu'on a une calibre 50 en plus. Non, déconnez pas, hein. Au. Quoi. Ah, il me tire dessus de super loin, ouais. Impeccable. Ok. On reste tranquillou. Ah. Elle est bien, la calibre 50, c'est cool. Au. Ta gueule. Oh là, ils arrivent de partout, c'est la grosse de merde. C'est quoi ces gobelins, ils popent dans les montagnes quoi. J'approche pour atterrir. Allez, on se pose d'ici. On se pose d'ici, oh la vache. Ok, il commence à sortir de lance-roquettes, c'est moins marrant. Vite, laisse-moi rentrer. On se casse. Yes. Est-ce qu'il a failli dire calice de tabarnak? Ouh là là. Bravo, ma grosse patate, bravo. Ma grosse patate. Moi, Roger. Oh là là, mec. Je vais essayer d'aller voir sur le Wikipédia et track down le doubleur. Je suis sûr. Putain. Ah ouais, je suis sûr que c'est un mec sympa. T'imagines si on peut avoir un doubleur qui nous fait bienvenue sur la méga farge. 10 sur 10. Ah, j'adore. Je suis fan, mec. J'ai dit, le jeu, il a gagné 60 points d'un coup. Il est à 70 sur 10, là. Alors en plus on est fat là en truc de base. Ah non, c'est des tanots qu'il nous faut du coup. Merde, ouais, je suis con. Par contre on a 300 titanes sans composants, sans adhésif quoi. Alors là on est tranquille pour faire ce qu'on veut d'autre. Est-ce que je peux Attends, on va aller voir l'armurerie, s'il y a des trucs qui nous plaisent. Tu me plais, mais t'es que ça chère. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Alors, donc niveau 3, c'est pour l'instant c'est toujours loqué, mais niveau 2 on l'a. Ah, on a des trucs pas mal niveau 2 en plus là. Et vu ce qu'on a niveau munitions, franchement on peut se permettre. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est génial. Fusil d'assaut, furtivité, l'alternative idéale au fusil sniper. D'accord, il y a de la peinture sur l'extrémité, mais attention, cette arme crache de vraies balles. Ça a pas mal ça, non? Vincent Leclerc pour le doubleur. Oh yes. Oh yes. Je vais aller voir après s'il y a moyen de le toper et de lui faire dire un truc pour nous. je rigole rien qu'à imaginer des trucs qu'il pourrait nous dire, mec. Je suis legit hype, vraiment. Je vais prendre ça, moi. Parce que c'est... comment on dit? C'est multi-purpose. Le sniper silencieux. Je vais prendre ça, ouais. Espèce de merzleg silencieux. Bon, et bah écoutez les gars, difficulté 2 débloquée. Comment ça, c'est-à-dire? D'accord, donc tu peux en fait D'accord. Tu peux repasser la même map. D'accord, très bien. Type que je connais a disparu. Ouais, ta gueule, ça me casse les couilles. Bref les gars, je vous fais moi de très gros bisous. Je pense que je vais couper le stream là. C'était bien mieux que ce que je pensais, mais je pense que c'est surtout à cause de Roger qui m'éclate. C'est quoi ça du coup? Ok, encore un aménagement et on est bon. Du coup, le prochain stream, je sais pas trop quand j'en ferai, étant donné que ce week-end je suis pas OP, mais enfin, je suis pas dispo, mais peut-être la semaine prochaine. En tout cas, moi il me plaît pas mal pour l'instant, j'aime bien l'ambiance et le resource gathering est plutôt chill, ça devrait être sympa. J'espère juste que ce sera pas chiant avec les ennemis bullet sponge et tout, mais bon, écoute, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est pas trop la galère.
Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus. À, ben, je sais pas quand, mais à très bientôt. Hein? On dit comme ça? Dac? Et puis voilà, on est de retour. Hein, donc on vous laissait une petite semaine, mais maintenant, là, c'est tous les jours. Hein, là, c'est parti. Hein. Là, on est là. Là, on est chaud. Là. Allez, bonne nuit, les gars. Ciao. Faut juste, attends, je vais juste ouvrir une petite chanson là. Un petit truc. Attends. Tiens, le thème de Gone dans Tekken. Allez, voilà. Allez, à plus, les gars. Ciao.